We'll all never get it right, but it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ça va bien tout le monde? Oui! Merde, je vais très bien personnellement. Si ça fait assez longtemps que vous me connaissez, vous le savez que je vais tout le temps très bien, fait que c'est pas vraiment une surprise. Pour le monde, ça se peut pas, ils vont dire qu'ils en rajoutent, mais avec Dieu, ça devrait être bien aller. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de Jésus. Puis comme Jésus est roi des rois éternellement, puis tout est accompli, bien, il est trop tard. Satan ne peut rien faire pour ça, ni les circonstances. Fait que ça devrait bien aller. Si ça va pas bien ce matin, on va s'arranger pour que ça aille bien quand vous sortiez d'ici, puis pas seulement que vous soyez heureux en sortant d'ici, mais que vous soyez renouvelés dans votre intelligence pour que vous demeuriez heureux. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Puis comme on est en guerre, ça serait bon que notre armée soit forte. Amen. Alléluia. Fait que je suis béni d'être avec vous. J'aimerais ça vous partager des petits témoignages, comme je fais toujours, pour rendre gloire à Jésus. Parce qu'il est encore vivant, bien qu'on dirait que la majorité de l'Église l'a oublié, en 2019, il est encore vivant, il n'a pas peur de venir au Québec. Il n'a pas peur de révéler malade encore. Il n'a pas peur de chasser les démons encore. Les démons ne sont pas plus méchants qu'ils étaient, là. Ils ne font pas peur à Jésus. Ils font peur à l'Église, mais dans la Bible, quand les démons voyaient Jésus, ils ne l'effrayaient pas, là. Ils suppliaient. OK? Fait que ça devrait être la même chose aujourd'hui. Amen? Et il y a deux semaines environ, deux, trois semaines, on était en vacances aux îles de la Madeleine, où mon épouse est née, donc elle est allée me faire visiter ce coin de pays-là. Et c'est très, 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 très loin. Et puis, on s'est rendu là, c'est 12 heures de voiture, puis 5 heures de traversier, si tout se passe bien. Ça arrive des fois que tout se passe pas bien, fait que c'est un petit peu plus long. Et surtout avec une petite fille, il faut qu'on arrête de la faire boire de temps en temps. Fait que, on était là-bas, on a eu des très belles vacances, on était vraiment bénis. Puis, dans le fond, je voulais tester si Jésus, il se rendait là aussi, puis ça marche aussi là-bas. Même si les gens, ben, ils sont pécheurs, ben, Jésus, il les aime quand même, puis il les guérit quand même. Je sais qu'aujourd'hui, on aime ça dire aux gens, ben, faudrait que tu te repentes de tes péchés pour être guéri, mais dans la parole, il guérissait, puis il leur disait de se repentir après. Fait que moi, je vais y aller avec Jésus, dans le fond, parce que d'après moi, ça fonctionne mieux, de toute évidence. Et puis, on a eu plusieurs rencontres là-bas, on a pu sauver, ceux qui connaissent les îles de la Madeleine un petit peu, c'est pas extrêmement gros, là, c'est peut-être 12-13 000 de population habituelle, mais ça monte... L'an dernier, ils ont eu 60 et 17 000 touristes, puis cette année, j'ai entendu dire 100 000. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont vu là, beaucoup de touristes. Et puis, on a eu plusieurs rencontres où est-ce qu'on a pu semer pour les gens dans notre quotidien. Parce que même si on est en vacances du travail, ben, on n'est pas en vacances de Jésus. Parce que quand tu viens à Jésus, tu ne veux pas qu'il te réponde « je suis en vacances, reviens demain ». Si Jésus serait tombé sur une journée de vacances il y a 2000 ans, la journée de la crucifixion, ben ça irait mal pour nous autres. Il était en plein, c'est ce que les gens voulaient. Donc, on doit être comme ça. Quand les gens viennent à nous, on ne doit pas répondre « je suis en vacances ». On doit répondre « Jésus veut te toucher ici, maintenant, dans ta situation, parle-moi. » Amen. Et puis, entre autres, les rencontres qu'on a eues là-bas, on est allé dans un coin de l'île qui s'appelle la Grande Entrée, et puis c'est vraiment à l'extrême. Déplacez-vous pas pour aller voir, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Vous arrivez là-bas, vous êtes rempli d'attente, puis finalement, il n'y a pas grand-chose. Mais Jésus voulait quand même toucher les gens qui étaient là, puis on a été dans un pub qui était là, puis tout le personnel qui travaillait là a été guéri. Donc, je sais que ça pourrait vous exciter extraordinairement, mais vous essayerez de guérir les gens par vous-même, c'est quand même difficile, mais Jésus peut faire ça. Là. Puis, je savais en rentrant là, que Dieu allait faire quelque chose. Premièrement, parce qu'il y avait des gens, donc Dieu veut les toucher. Deuxièmement, parce qu'on était là, donc il veut le faire par nous. Et troisièmement, parce que je ressentais aussi qu'il allait se passer quelque chose, puis il s'est passé quelque chose. Donc, mon épouse a commencé à prier pour notre serveuse, et puis après ça, la serveuse était la fille de la propriétaire qui était sa mère,
était en cuisine. Et puis, tout le personnel de cuisine était guéri, les serveurs aussi. Puis, on a pu saluer dans leur vie, leur témoigner. Puis, ils ont vraiment été touchés. C'était des gens qui étaient très croyants. Leur foi n'était pas à la bonne place, disons. Ils étaient très croyants en Dieu, mais ne passaient peut-être pas nécessairement par la venue qui était Jésus, mais il y avait toujours un lampion qui brûlait en cuisine, en espérant que Dieu les entend. Mais Dieu voit ça quand même. Les gens cherchent. La Bible dit, celui qui cherche trop, on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. Okay? Donc, les gens qui cherchent sincèrement, souvent les gens qui ont une foi catholique, on va dire, c'est des gens qui sont très croyants en Dieu. Ils n'ont juste pas pris la porte encore, qui est Jésus. Mais quand on vient leur présenter, ben, il y a des chances qu'ils l'acceptent. Mais il faut qu'on y aille leur présenter. Amen. Il faut leur donner la direction. Vous êtes comme des grosses pancartes qui flashent pour donner la direction aux gens. On ne peut pas sauver les gens. Nous, tout ce qu'on fait, c'est arranger le meeting entre les deux. On peut leur arranger une date pour qu'ils tombent tellement en amour avec Jésus qu'ils fassent « Moi, je vais donner ma vie à Jésus puis je vais me marier avec. » C'est ce qu'on veut. Amen. Et puis, ces gens-là ont été guéris de divers problèmes. Là. La patronne, ça faisait, elle avait des acouphènes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est des bruits là, qui, décidément, dans les oreilles. Ça faisait 2 ou 3 ans, je pense, qu'elle avait ça. Et puis, elle a pensé au suicide à cause de ça. Elle dit « Si ça n'avait pas été de ma fille, elle dit, je ne serais plus ici. » Et puis, j'ai prié 3 fois pour elle, puis elle se déplaçait dans un coin du restaurant qui était fermé, dans un bar laitier qui était fermé. Puis le troisième coup, elle dit « J'entends plus le bruit. » Elle a été guérie d'un problème au genou qu'elle avait depuis, je pense, 15 ans, une chute qu'elle avait faite. Son aide cuisinière avait de l'arthrite à partir des hanches jusqu'en bas. Elle a été guérie complètement. Le serveur avait des problèmes de dos, la serveuse aussi. Donc, ils ont tous été touchés, puis on a pu leur témoigner à travers les commandes qui passaient. Ils nous ont fait rentrer en cuisine, puis on a pu semer dans leur vie. Puis, on prie que ça puisse porter fruit, que quelqu'un d'autre puisse arroser. S'ils ne sont pas déjà convertis, on ne sait pas. Mais merci Jésus pour qu'est-ce qu'il a pu faire là-bas. Puis aussi, entre autres, ben, on est allé, vu qu'on est en vacances, mais pas de Jésus, puis on est quand même allé à l'église là-bas. On en a trouvé une, parce qu'il y en a une, dans le fond. Fait qu'on est allé à celle qu'il y avait. Naturellement, il y a une église catholique, mais on n'est pas allé là, parce que probablement qu'on avait rencontré pas grand monde pour témoigner. Mais on est allé dans l'église là-bas avec des frères et sœurs, et puis, disons, c'est un milieu qui croit pas nécessairement dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est nos frères et sœurs quand même, on les aime, mais l'ambiance est différente et tout. Mais on a eu l'opportunité quand même de... le deuxième dimanche qu'on est allé, il y a une jeune fille qui passait dans l'église, puis mon épouse, une jeune fille qui était en charge là, d'enseigner aux enfants, je pense. Puis mon épouse m'a dit qu'elle avait l'orteil fracturé, je l'avais vu boiter. Mais je ne voulais pas faire un scandale dans ce lieu-là. Donc, finalement, on a décidé d'en faire un, je pense. Donc, on lui a proposé si on pouvait prier pour elle. Puis, j'ai expliqué, je sais qu'elle n'était pas trop à l'aise avec ça, parce que c'est des gens qui croient que Dieu guérit quand il veut, comme il veut, si ça dépend de lui. Des fois, il veut que tu ailles mal, des fois, il veut que tu meurs, des fois, il veut... C'est un peu ambigu, mais ça reste nos frères et sœurs quand même. Donc, si personne ne va leur apporter la vérité dans l'amour, ben ils ne pourront jamais voir autre chose que ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Et puis, Dieu nous a dirigés vers cette fille-là, puis il a bien fait les choses, parce que c'était peut-être une personne qui avait un petit peu plus d'ouverture que les autres, parce qu'elle nous a dit que son père était un évangéliste qui passe à la radio, puis lui, il croit dans les dons du Saint-Esprit, puis dans ces choses-là. Donc, elle avait eu un petit background de tout ça. Elle savait que Dieu pouvait guérir. Mais peut-être pas aussi rapidement qu'elle l'a été, disons. Fait que j'ai prié pour elle, là, elle a accepté que je prie pour elle immédiatement, ce qui est un peu spécial pour eux, parce qu'eux croient qu'on doit prier toute seule dans notre coin, puis il ne faut pas que les gens soient au courant qu'on prie pour eux. Et puis j'ai prié pour elle, le premier coup était un petit peu mal à l'aise, elle dit « ça picote dans mon pied », puis quand j'ai reprié, ben là, elle a commencé à marcher, puis elle n'avait plus de douleur dans son orteil, qui était fracturé depuis moins d'une semaine, son orteil était tout bleu. Donc là, ça l'a un peu bouleversé dans ses croyances, puis elle a commencé à raisonner ça, puis j'ai eu le temps de partager certaines écritures, faire ressortir certaines écritures dans sa vie. Parce que vous savez, quand on est enseigné d'une certaine façon, on lit la parole avec des œillères ou des lunettes, puis il y a certains versets que même si on les lit, bien on les lit pas. On les lit, mais c'est plus comme de l'historique, puis on peut pas vraiment s'identifier à ces écritures-là. Je sais pas si vous comprenez, nous on est bénis, pour la majorité, on est toujours dans des milieux... disons, très charismatique, évangélique, on croit à la parole. La majorité ne la vive pas, mais on dit qu'on la croit. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient plus que Dieu fait ces miracles-là. Donc, quand il les fait pour eux, ben, ça bouleverse un peu leur doctrine, mais c'est comme ça. Tout changement commence par un bouleversement.
naturellement, sinon ça reste du pareil au même. Et puis, il y a une autre dame qui a été guérie dans l'église qui avait des problèmes d'hernie discale que ses jambes ont allongé devant les yeux de la jeune fille qui venait d'être guérie. Donc ça, ça l'a bouleversé un petit peu davantage, je pense, parce que c'était pas habituel pour elle. Donc, mais on a pu semer dans la vie de ces gens-là. Puis l'autre dame qui a été guérie, elle nous a envoyé à son travail le lendemain pour aider des gens qui travaillaient avec elle. Puis on est allé, mon épouse a prié pour une des employées qui a été guérie aussi. Donc, on remercie Dieu pour ce qui a été fait. Puis il y a d'autres personnes sur l'île qui ont pu être touchées. Puis on a pu. C'est une petite semence, mais Dieu commence par ça. Amen. Tous les endroits sur la terre qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, des gens nés de nouveau, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part un jour qui est allé mettre une semence. Ça a peut-être pris des années avant qu'il y ait une récolte. Vous savez que ça a pris comme 3 ans, 3 ans et demi avant que Jésus ait des vraies récoltes de conversion. Pourtant, pas parce qu'il faisait mal les choses. Il les faisait très bien, pas mal mieux que nous. Mais il y a eu un certain temps où est-ce que la semence a dû être plantée. Puis quand leurs yeux se sont ouverts, Jésus à la croix, il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais qu'ils réalisent qu'est-ce qu'ils font, ils vont changer. Parce que Jésus est Dieu, bien, ça s'est réalisé. On sait qu'au jour de la Pentecôte, quand ils ont écouté Pierre parler, ils ont réalisé ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. Tu sais, si tu fais un péché, là, tu es Dieu ton sauveur, c'est quand même un papier péché. C'est le genre d'erreur que c'est comme mieux de ne pas faire. Là. Et quand tu te noies, je te garoche une bouée puis t'en manques, t'aurais dû appogner. Quand ils ont réalisé l'erreur qu'ils ont faite, ils ont fait comment est-ce qu'on peut faire pour être sauvé à cette heure? S'il y a un moyen qu'on peut être sauvé, ça serait bon qu'on le sache. Puis de toute évidence, il y avait un moyen. C'est ce que Pierre nous a annoncé, c'est le message de l'Évangile, puis c'est le même qui est encore valable aujourd'hui. Yes. Donc, il faut qu'on aille, puis il faut qu'on annonce, il faut qu'on ouvre notre bouche, vous et moi. Tous ceux qui se disent en m'entendant parler, pas moi, c'est à vous que je parle. Vous et moi. C'est ça qu'on va parler ce matin. Tous ceux qui se disent « Dieu ne peut pas se servir de moi, il se sert de moi différemment. » Non, il se sert de vous exactement comme Jésus. Pareil, il n'y a pas de différence. Peu importe votre couleur, votre grandeur, votre sexe, Dieu se sert de vous. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de différence. Il n'y a ni jeune, ni vieux, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Votre race, on s'en fout. Votre couleur, votre beauté. Êtes-vous content que Dieu regarde à l'intérieur et pas à l'extérieur? Amen. Dieu peut se servir de n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'est lui qui décide, puis ça dépend de ce que vous allez vouloir. Si on garde notre bouche fermée, Jésus a dit, les pierres même vont crier. Je veux pas que les pierres crient à ma place. Seigneur, touche mon incrédulité. Pourquoi être obligé de te servir des pierres? Parce que moi, tu m'as donné une bouche, puis les pierres n'en ont pas. J'aimerais ça que tu te serves de moi au lieu des pierres. Amen. Amen. Dieu a dû servir d'un homme dans l'Ancien Testament pour corriger un de ses prophètes. Attendons pas qu'un homme nous corrige, là. On a la parole de Dieu pour nous corriger. Amen. Donc, on va regarder des choses ce matin, puis ceux qui veulent continuer à prier, bien, en fait, commencez à prier peut-être pour les îles, ou si jamais vous passez par là, bien, prenez la relève, puis venez arroser ce qu'on a mis. Et puis, j'aimerais ça en profiter aussi pour demander à ceux qui désirent le faire, si vous voulez nous garder en prière. Le mois prochain, le 5 et 6 octobre, on a réussi à avoir une table au Salon de l'ésotérisme qui va avoir lieu ici au Castel. Ça ne s'appelle pas le salon de l'ésotérisme, ils appellent ça le salon harmonie. Mais bref, on sait quel genre d'harmonie qui règne là-bas. Donc, on a une table là-bas parmi les plusieurs exposants. Je l'ai fait des années passées, puis il y a plusieurs dizaines d'exposants de toutes les choses inimaginables que vous ne pouvez pas penser pour faire de l'argent ou pour vendre aux gens, là, ils les ont pas mal. Okay? Vous avez des chamans amérindiens, vous avez du monde qui... du monde qui font du tarot, du monde qui font des chants angéliques, du monde qui vend des pierres, des produits, des chandelles, là, tout ce que vous pouvez penser qui n'est pas en lien avec la spiritualité, là, eux autres, ils ont fait un lien avec ça. Donc, nous, on va avoir une table là où est-ce qu'on va offrir de la prière gratuitement aux gens. Dans les années passées, on était la seule table qui vendait rien. Donc, déjà là, on n'était pas très appréciés. Donc, gloire à Dieu, on va s'arranger pour continuer dans cette lignée-là. On était généralement assez dérangeants dans les années passées, donc on va prier Dieu qu'on continue à vraiment déranger. Puis, il se passe un très gros chaos divin dans ce lieu-là. Et puis, que les ténèbres puissent être bouleversées. Puis, c'est un lieu extraordinaire parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui cherchent. Okay? Les gens qui cherchent dans le monde spirituel, c'est parce qu'ils savent que le monde naturel n'a pas assez à nous offrir. Ils sont en détresse, ils veulent plus. Ils veulent avoir des changements dans leur vie. Ils cherchent pas à bonne place, mais cette journée-là, ils vont être à bonne place parce que nous, on va être là. Parce que celui qui cherche trop, donc on va leur apporter gratuitement la guérison parce que si on a reçu gratuitement, on donne. Amen. On va leur apporter.
apporté la délivrance. Naturellement, généralement, les gens ne viennent pas se pointer à toi pour te dire « j'ai un démon, pourras-tu me l'enlever? » Mais en cours de route, en priant pour eux autres, on risque de tomber sur des démons qui ne seront pas contents. Donc, on est là pour ça, pour libérer les gens. Puis, par la grâce de Dieu, on va lui partager le message d'Évangile aussi à ceux qui veulent l'entendre. Puis, comme le message de l'Évangile est la puissance pour le salut de qui qu'on croit, bien, on a toutes les chances de notre part qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, gardez ça en prière si vous voulez. C'est le samedi et le dimanche 5 et 6 octobre. On va avoir une table là, on va avoir des gens qui se relaient, c'est deux journées de 8 heures. Et puis, possiblement qu'on a une possibilité aussi de faire une conférence d'une demi-heure, 40 minutes dans une salle pour ceux qui veulent être là. Fait qu'on va voir comment on va arranger les choses. Mais on veut que Jésus puisse être glorifié là-bas et qu'il y ait des fruits qui ressortent de ça. Pas juste des guérisons, pas juste des délivrances, mais on veut que des gens, vraiment, la conviction du Saint-Esprit tombe sur eux et qu'ils puissent se repentir, que ce soit à travers nous ou après, on s'en fout. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens soient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, on va parler, ça fait un petit bout que je n'ai pas touché à ça, même si toutes mes prédications tournent autour de ça, mais on va parler de notre identité un petit peu en Christ, parce que c'est toujours la base. Si on ne sait pas qui on est, on ne fera pas selon qui on est. Puis si on ne fait pas selon qui on est, bien, on n'aura pas les résultats que Dieu veut qu'on ait. Je sais que je parle vite un peu, puis je l'ai peut-être perdu à la moitié, mais ça va rentrer tranquillement. Gloire à Dieu. Donc, on va lire les Écritures ensemble, mais on va commencer à ouvrir. On va aller dans l'Ancien Testament. Faites une coche sur votre calendrier. Joe est allé dans l'Ancien Testament. On va ouvrir dans Proverbes. Proverbes chapitre 23. Bien que vous l'ayez trouvé, si vous ne faites pas semblant d'être perdu ailleurs, dans Naum ou avec eux. Père, je te prie, Seigneur, ce matin, de faire ton œuvre à travers moi. Que ta présence puisse se manifester. Que toutes les pensées puissent être scellées captives en toi, Seigneur. Je prie de venir renouveler notre intelligence ce matin par ton Saint-Esprit, de venir changer nos pensées pour qu'ils soient conformes à la vérité de l'Évangile, Seigneur. Je prie d'amener une transformation profonde dans le cœur de chaque personne qui est ici, qui va se manifester dans notre vie au quotidien à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Viens affirmer la vérité, solide comme du roc dans nos pensées pour qu'on sache qui on est et qu'on puisse être utilisé pour toi de la manière où tu veux qu'on le soit, Seigneur Dieu. Que tu puisses être vu à travers nous, que ta parole puisse être comprise, reçue, que ton Saint-Esprit puisse nous amener la révélation de tout ce qui va être lu à partir des Saintes Écritures ce matin. Transforme-nous, Père, et change-nous, parce qu'on ne veut pas demeurer comme on est, dans le nom de Jésus. Amen. Petit verset, Proverbes, chapitre 23, et le verset 7. Amen. Ah ouais? Dépendamment de la version Bible que vous avez, peut-être ça va être verset 6, verset 7, je vais vous l'aller dans la Martin, la Darby. Si vous avez des 8 secondes, ça risque de dire quelque chose comme « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » D'autres versions vont le formuler comme ça, « Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. » La Darby va dire « Car comme il a... » En passant, je ne l'ai pas par cœur, j'ai ça ici, je ne vais pas penser que je suis plus intelligent que je suis. La Darby dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » En anglais, ça dit « As a man think in his heart, so he is. » Donc, comme on pense, c'est comme on est. La Bible nous dit ça dans Proverbes parce que la personne qui parle dans Proverbes était inspirée par la sagesse de Dieu et Dieu est quand même sage. Donc, je sais qu'on en pense, qu'on en sait toujours plus que Dieu, mais dans le fond, non. Il en sait plus que nous autres, il a plus d'expérience que nous autres. Puis si on veut apprendre les secrets de la vie, ça serait bon qu'on aille à celui qui a créé la vie. Amen. Étant donné que c'est Dieu, on va écouter ce qu'il nous dit ce matin, puis il nous dit que comment est-ce qu'on pense va déterminer comment est-ce qu'on est. Ça, que ce soit en Jésus-Christ ou que ce soit dans le naturel, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, parce que peu importe les actions que vous allez commettre, vous y avez d'abord pensé. Même si vous n'y avez pas réfléchi longtemps, et que vous n'avez peut-être pas pesé les pour et les contre, puis des fois on se dit « j'aurais dû y penser à deux fois avant de faire ça », vous y avez quand même pensé. Okay? Parce que votre corps il est inerte s'il n'y a pas l'âme qui y donne le go pour le faire. C'est-tu trop profond ce que je vous apporte? Non. Votre corps va faire ce que votre tête est dit de faire. Le problème, c'est que ce que votre tête est dit de faire doit être dicté par votre esprit. Puis souvent, c'est pas comme ça. Parce qu'on est charnel, on n'est pas renouvelé. Notre tête dit à notre corps de faire ce qu'elle a toujours appris de faire. Ça, c'est la voix qui semble bonne à l'homme. Mais la Bible nous dit qu'elle mène à la perdition. Telle voix semble bonne à l'homme, mais elle mène à la perdition. Ça semblait très bon pour Ève de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il avait l'air très beau. Pourtant, on voit encore les dommages que ça a fait aujourd'hui.
C'est pas le mauvais côté du fruit que tentait Ève, c'est le beau côté, ou ce qui semblait beau. La Bible nous dit que Ève a vu et qui semblait bon pour ouvrir son intelligence, mais c'est pas ce qui semble bon pour toi qui est bon, c'est ce que Dieu te dit qui est bon. OK? Donc, comment on pense va déterminer comment on est. Puis ça, c'est aussi valable dans le naturel que dans le spirituel, mais la majorité des chrétiens veulent être tellement spirituels qu'ils font pas de parallèle entre les deux. Fait que souvent, les gens du monde réussissent plus que les gens dans l'Église. Un demi en blanc. Bon, OK. On progresse. Gloire à Dieu. Donc, comment on pense va déterminer comment on est. Ici, au Québec, c'est très fort. Tous les gens, on a été élevés, on dirait qu'une mentalité, si t'es né pour un petit pain, tu peux pas avoir la boulangerie. Personne n'a la boulangerie parce que tout le monde pense qu'ils sont nés pour un petit pain. Parce que si tu penses que t'es né pour un petit pain, t'auras jamais plus qu'un petit pain. Amen? Avec Dieu, c'est la même chose. Les gens sont sauvés, mais ils restent avec une mentalité de pauvres pécheurs sauvés par grâce d'Ancien Testament, d'Ancienne Alliance, fait qu'ils vivent généralement pas plus que ça. Parce que Dieu ne te bénira pas davantage de ce que tu crois qu'il peut le faire. Parce que tout ce que tu obtiens de Dieu, c'est par la foi. Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est simple, c'est même pas difficile, c'est impossible. Tu n'auras jamais plus que ce que ta foi veut. Amen? Donc, si tu penses que tu es un pourri, que tu es un pas bon, que tu es un pécheur, que tu es une erreur sur le point d'arriver, que tu es une mauvaise personne, que... Oui, tu étais ça. C'est pour ça que tu avais besoin d'être sauvé. C'est pour ça que Jésus est venu te sauver. OK? Sors de ce moule-là et crois ce que la Bible dit. Puis si tu crois ce que la Bible dit, tu vas commencer à vivre ce que la Bible dit. Je sais que ta tête te dit le contraire. Je sais que les gens autour de toi te disent le contraire. Je sais que la société te dit le contraire. Mais les gens autour de toi ne sont pas laissés à quoi pour toi? La société n'est pas laissée à quoi pour toi. La science n'est pas laissée à quoi pour toi. C'est Jésus qui t'a laissé à quoi pour toi. Fait que ce qu'il te dit, ça devrait être vrai. Puis si tu confesses que tu es un chrétien né de nouveau, que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que quoi que ce soit qu'il te dit, même si c'est de te mettre une robe rose et de tourner en rond, tu vas le faire. Parce que c'est ton Seigneur. Aujourd'hui, on peut constamment contester avec le Seigneur et dire « Je ne comprends pas, puis je veux comprendre avant de faire. » Il ne te demande pas de comprendre, il te demande de faire. Mais tu fasses, là, tu vas comprendre parce que tu vas voir les résultats. Amen? Jésus s'est efforcé de faire les miracles toujours d'une manière différente, ou du moins celles qui nous sont répertoriées parce que c'est une infime partie. On a de la misère à concevoir tout ce qui nous est répertorié dans quatre évangiles, puis c'est une infime partie. Jean dit, si on avait à répertorier tous les miracles que Jésus a fait à cette époque-là, je pense qu'on n'aurait pas assez de livres sur la planète pour toutes les lire. OK? Puis nous, on est éblouis par les quatre évangiles qui sont là, ou du moins, on devrait l'être. Je sais que l'Église ne l'est pas vraiment aujourd'hui, mais on devrait l'être parce que c'est des miracles, ça a changé des vies, puis Dieu les fait encore aujourd'hui. Si on y croit. Pourquoi? Parce que Jésus savait qui il était. Les gens n'étaient pas d'accord avec qui Jésus disait qu'il était. Ils contestaient constamment qui Jésus disait qu'il était. Puis Jésus non seulement disait ce qu'il était, mais il y avait les œuvres pour appuyer ce qu'il était. Mais pourtant, les gens contestaient. Pourquoi est-ce qu'ils contestaient? Parce que Jésus, s'il était ce qu'il était, ça veut dire qu'eux devaient se repentir, ça veut dire qu'ils devaient avoir une vie comme celle de Jésus. Puis c'est la même raison pourquoi les gens vont contester aujourd'hui, c'est parce que quand ils voient la puissance de Dieu dans votre vie puis les fruits dans votre vie, plutôt que de les pousser à changer, ça va les pousser à critiquer parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils sont bien dans leur péché, ils sont bien dans leur confort, ils sont bien dans leur incrédulité. En passant, l'incrédulité aujourd'hui dans les milieux chrétiens, ça s'appelle de la sagesse. OK? On appelle ça de la sagesse. Je suis sage, mon frère. La sagesse aujourd'hui des milieux chrétiens, là, c'est un gros sac d'incrédulité et de peur qu'on traîne sur notre épaule, puis on appelle ça de la sagesse. Quand j'étais jeune dans le Seigneur, je faisais ça. OK? Puis là, tu es assez sage que tu ne le fais plus. Fait qu'il va falloir d'autres jeunes pour qu'ils puissent le faire, là. OK? Cette sagesse-là, la Bible appelle ça de la sagesse d'ici-bas, de la sagesse humaine qui est sensuelle et démoniaque. Oh! Il faudrait se débarrasser d'une coupe de sac, là. OK? La sagesse, selon Dieu, la Bible nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu dit en mettant ça sur le pouvoir de la sagesse, ça veut dire que tu ne crains pas l'Éternel. Si tu es un chrétien croyant qui ne craint pas l'Éternel qui est supposé t'avoir sauvé, c'est ça. Ça ne va pas bien, hein? Donc, si on renouvelle nos pensées et qu'on commence à croire ce que la Bible dit de nous, bien, on va pouvoir faire ce que la Bible dit de nous. Parce que les gens dans le naturel qui ont réalisé des choses phénoménales, que ce soit au niveau des inventions, des architectures, du sport, ce n'est pas des gens qui avaient une mentalité de pas bon.
c'est des gens qui ont fait les choses différemment, ils se sont fait critiquer naturellement, parce que dès le moment où tu sors du moule, tu vas te faire critiquer. Parce que quand tu sors du moule, les gens voient la possibilité qu'il y avait un autre avenue qu'eux, ils n'ont pas pris, puis ils vont critiquer l'avenue que tu as pris parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur confort. C'est des gens qui se sont fait critiquer, c'est des gens qui ont persévéré, c'est des gens qui ont fait des erreurs, qui ont tombé, mais à chaque fois qu'ils ont tombé, ils se sont approchés un pas plus près de ce qu'ils voulaient réaliser, puis ils l'ont réalisé. C'est des choses humaines qui sont sans valeur, qui sont souvent empreintes de mauvais motifs, qui sont temporaires, qui vont disparaître, qui n'ont aucune valeur éternelle, mais nous, en tant qu'humains, on les regarde et on se dit « c'est phénoménal ». L'architecture que les humains peuvent faire aujourd'hui, quand tu passes sur un pont, quand tu regardes un édifice, quand tu regardes un avion, un bateau, tu peux te dire « comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça? » Mais il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit « moi, je pense qu'on pourrait voler. » Puis tous les autres qui ont dit « t'es-tu fou? » Puis le premier coup qui a essayé de voler, il avait l'air fou. Mais aujourd'hui, tout le monde vole. C'est plus sécuritaire qu'en voiture. C'était possible. C'était juste impossible dans la réalité de ce moment-là où les gens vivaient. Savez-vous que Dieu vit dans une autre réalité que la nôtre? Oui. Dieu, il est surnaturel de nature. Nous autres, on vit dans le naturel de nature la majorité du temps. Je parle même de l'Église. Fait que là, on se dit, si c'est pas possible dans notre naturel, forcément, ça peut pas être possible. Mais tu sais qu'il y a un écart très grand entre ton naturel et le surnaturel de Dieu. Ça s'appelle la présence de Dieu, sa dimension, son royaume. Puis je t'annonce que si tu es sauvé, tu as été assis dans les lieux célestes à la droite du Père en Jésus-Christ. Donc, c'est ta dimension, c'est ton royaume, si tu y crois. Parce que tu ne feras jamais plus que ce que tu crois. L'Église n'a pas de misère à croire que Dieu peut faire des miracles. Là où ils ont un gros problème, c'est que Dieu peut le faire par eux. Parce que croire que Dieu peut faire des miracles, ça, c'est facile, tu n'as rien à faire. C'est facile, tu regardes le show. Croire que Dieu peut et veut faire des miracles par toi, ça veut dire que tu vas sortir de ton incrédulité, de ton confort, tu vas prendre tes petites mains, tes petits pieds, et tu vas faire quelque chose avec. Ça, c'est dérangeant, fait que là, c'est là que l'Église a un problème. La majorité de l'Église aujourd'hui, ils croient en Dieu, puis ils font bien croire en Dieu. OK? Mais croire en Dieu, là, pour eux autres, c'est croire que Dieu existe. Il y a une grosse différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Bon, on va laisser un silence, là. C'est très différent de croire en Dieu et de croire Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire croire qu'il existe, qu'il est, qu'il dit qu'il est. Croire Dieu, ça veut dire qu'il dit dans Philippiens 4:13 que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Amen. Oups, j'aime mieux croire que Dieu peut tout. Ça, c'est plus facile, j'ai rien à faire. Mais Dieu, qui peut tout, te dit que tu peux tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu dis que tu crois en Dieu, il faut que tu crois ce qu'il dit. Oui, mais dans le passé, je n'ai pas réussi. Oui, mais tout le monde autour de moi ne réussit pas. Oui, mais ma tête me dit que je réussis pas, que je réussirai pas. Oui, mais ma famille n'a jamais rien réussi. Oui, mais dans mon église, il n'y a personne qui réussit. On s'en fout de ça. Qu'est-ce que Dieu te dit? Comment est-ce qu'il y en a ici qui savent que l'opinion que vous avez de vous a plus d'importance que l'opinion que qui que ce soit peut avoir de vous? 1, 2, 3, 4. Parfait. Bien, on s'en fout. D'habitude, les gens se réveillent moins ou moins fort. OK, on continue. Donc, l'opinion que vous avez de vous a plus d'importance que l'opinion que qui que ce soit a de vous. Tu sais, je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, mais quand même que vous penseriez que je suis une jeune fille de 7 ans avec une robe rose et des boudins blonds, c'est juste dans votre tête, là. Je suis vraiment pas ça. Je suis un homme, la dernière fois que j'ai vérifié. J'ai pas de robe rose, j'ai pas de boudin blond, j'ai déjà été blond, mais plus maintenant. Fait que quand même que vous m'appelleriez Suzy toute votre vie, je suis quand même Jonathan. C'est juste dans votre tête, les gens vont vous trouver bizarre, puis c'est tout, parce qu'ils voient très bien que je suis pas une jeune fille avec une robe rose et des boudins blonds. OK? Donc, l'opinion que vous avez de vous a plus d'importance que l'opinion que qui que ce soit a de vous, incluant Dieu. Là, je sais que votre tête n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire, puis je sais pourquoi elle n'est pas d'accord, mais on va définir ça pour que vous compreniez pourquoi ce que je viens de vous dire. L'opinion que vous avez de vous est plus importante dans votre vie que celle que Dieu a de vous. Pourquoi? Parce que si votre opinion est différente de celle de Dieu, vous allez vivre selon votre opinion, puis Dieu ne pourra pas accomplir en vous ce qu'il dit que vous êtes. Car tel un homme pense, tel il est. Si vous pensez que vous êtes un pas bon, le ciel entier est derrière vous pour vous dire que c'est lui qui vous a choisi, mais il ne pourra jamais manifester ça à travers vous. Si vous pensez que vous êtes un pas bon, vous allez toujours agir comme un pas bon. Pas parce que vous en êtes un, parce que vous pensez que vous en êtes un, fait que vous allez agir selon ce que vous pensez. J'ai déjà donné cet exemple-là, là, souvent dans le passé, mais je vais le redonner encore. Dans le passé, j'avais une maison avec un chien, un gros golden,
blond, blanc, très stupide. Je l'aimais. Et puis, lui, il avait décidé que c'était une bonne idée de manger mon headset au complet pour se sauver chez le voisin. Il était capable de sortir, mais pas de revenir, fait qu'il s'en allait toujours dans la rue, dans les autos. Fait que j'ai décidé d'y mettre une clôture électrique. Il l'a pogné une fois sur son nez mouillé avec ses quatre pattes grandées, puis il a compris certaines choses. Mais après ça, parce que j'étais tanné d'entendre la clôture cliquer avec les chocs dedans, j'ai débranché la clôture. Fait que pendant des années, il allait regarder la clôture, puis il passait à côté. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y avait le blocage que s'il touche ça, ça va faire mal. Pourtant, c'était du petit fil de broche. Le chien pesait 100 livres. Il aurait juste à passer dedans, tout l'arracher, puis il aurait pu se sauver encore. Parce qu'il n'y avait pas de courant dans le fil. Je l'avais débranché, mais lui ne le savait pas. Il s'était mis un blocage dans sa tête, il était limité par ce blocage-là, pensant qu'il y a du danger alors qu'il n'y en a pas. Pensant qu'il n'est pas capable d'aller plus loin alors qu'il aurait été capable d'aller plus loin. L'Église est comme ça aujourd'hui. L'Église a essayé de faire quelque chose, puis elle a eu un échec parce que sa perspective n'était pas correcte, fait qu'elle a peur d'y aller encore. Elle a peur d'essayer encore, pensant qu'il y a du danger, mais il n'y en a pas de danger. La limite est dans ta tête, la barrière est dans ta tête. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, peut-être les plus vieux, quand vous étiez sur la ferme, un cheval, quand tu l'attaches, des fois tu peux l'attacher après un petit bout de bois, ça de gros, puis il va rester là parce qu'il pense qu'il est attaché. Mais pourtant, il a juste à faire ça, puis il va l'arracher le bout de bois. Mais lui, dans sa tête, le blocage, c'est que s'il y a une laisse, puis qu'il est attaché, il peut pas bouger. Mais le blocage, il est juste dans sa tête. Tout le monde autour sait qu'à la grosseur que l'animal a, le petit bois, ne le retiendra pas. C'est la même chose avec l'Église aujourd'hui. Le ciel entier et ceux qui nous ont précédés, les anges et puis Dieu nous regardent et ils se disent « Oh, c'est toi qui es capable de passer par-dessus cette montagne-là. » Mais toi, tu es là et tu penses que tu n'es pas capable. Parce que tu ressens que tu n'es pas capable. Tu ressens qu'il te manque de quoi. Tu écoutes la voix qui te dit « Ben, le dernier coup, tu as échoué. » Tu écoutes la voix qui te dit « Ben, tout le monde autour de toi échoue. Donc, pour qui tu te prends d'essayer de penser que tu vas réussir? » Ben, c'est ça la question. Pour qui tu te prends? Si tu te prends pour ce que Jésus dit que tu es, tu vas vivre selon Jésus dit que tu vas vivre. Amen? Tu n'es pas un pauvre pécheur qui a été sauvé par la grâce. Oui, tu étais pécheur, mais tu n'es plus comme ça. Tu es sauvé, tu ne l'es pas. Si tu es sauvé, de quoi tu as été sauvé? Tu as été sauvé de tes péchés. Donc, si tu as été sauvé de tes péchés, tu n'es plus un pécheur. On s'identifie encore au péché parce qu'on pense que si on a une capacité de pécher, on est des pécheurs. Mais ce n'est pas parce que tu as la capacité de pécher que tu es un pécheur. Jésus avait la capacité de pécher. Mais il n'a jamais péché. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais chuté. On pense aujourd'hui que si on a la capacité de pécher, on a besoin de délivrance. Si on est tenté, on a besoin de délivrance. Ben, Jésus aussi dans ce cas-là. Jésus a été tenté en toutes choses. S'il a été tenté en toutes choses en passant, c'est parce qu'il avait de la chair comme vous. On pense que c'était Dieu manifesté dans la chair, et ça l'était, mais il est apparu comme un simple homme. Il s'est régi aux mêmes lois que vous et moi. Jésus devait dormir, il devait s'habiller, il devait se peigner de temps en temps, il devait se laver, il devait manger, il devait faire comme vous et moi. Il était régi par les mêmes lois que vous et moi. Tout ce qu'il a réalisé ici sur terre, il l'a réalisé en tant qu'homme investi de la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des hommes et des femmes investis de la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez. Non seulement ça, mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Aujourd'hui, c'est un blasphème que tu dis ça dans l'Église. Moi, si je peux juste être un serviteur. Ça a l'air humble. Il y en a qui ont demandé à Jésus parmi ses disciples, c'est qui le plus grand parmi nous? Cette pensée-là leur est montée. Aujourd'hui, on dit, on ne peut pas dire ça franchement. Jésus ne les a pas corrigés pour ça. Il ne nous a pas dit, tu ne devrais pas vouloir être le plus grand, tu devrais vouloir être le dernier, en bas de l'échelle. Non, Jésus a dit, tu veux être le plus grand? Parfait, sois serviteur des autres. Jésus n'a pas de problème parce que tu veux être le plus grand. Il te dit comment faire. Parce que si tu es le plus grand, ben Dieu va être vu à travers toi. Parce que ce n'est pas dans tes capacités que tu es le plus grand, c'est dans les capacités de Jésus. Amen. Que ta lumière brille ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les yeux. Amen. Amen. Ça, ça change la mentalité qu'on a bien souvent. Parce que l'Église ne sait pas qui elle est, ben, elle s'identifie souvent au seul moment de leur vie où elle savait qui elle était, puis c'est les drames qu'ils ont vécu dans le passé. C'est pour ça qu'on a des chrétiens aujourd'hui qui sont sauvés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont encore des personnes blessées, qui essaient de penser les blessures de leur passé. Je ne veux pas manquer de sensibilité pour ces personnes-là, mais vous n'êtes plus cette personne-là. Si vous êtes sauvés, vous êtes une nouvelle créature. Je sais que votre miroir vous envoie encore la même image. Je sais que vos souvenirs vous ramènent toujours la même image.
Je sais que les gens autour de vous vous ramènent toujours cette image-là, mais vous devez savoir que vous n'êtes plus cette personne-là. La personne qui a été blessée, la personne qui a été abusée, la personne qu'on a trahie, vous n'êtes plus cette personne-là. Vous êtes un enfant de Dieu. Ces choses-là sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. De toute façon, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous essayez de mettre des plasters sur le bobo, ça ne marche pas. Changez donc de façon. Si vous croyez que vous êtes libéré, vous allez marcher libéré. Si vous croyez que vous êtes blessé, que vous avez besoin de restauration, vous allez toujours avoir besoin de restauration, vous allez toujours creuser plus creux, il y a toujours des bobos qui vont remonter, vous allez toujours être faible, vous n'allez jamais rien faire. Amen. Jésus a vécu toutes ces choses-là. Il a été trahi, abandonné, on s'est moqué de lui, il a été incompris, on l'a jugé, on l'a mal jugé. Ça nous fait mal aujourd'hui quand les gens nous jugent. Jésus a été jugé injustement sur tout ce qu'il a fait. Ça ne l'a jamais empêché d'accomplir son but parce qu'il savait qui il était. Si tu sais t'es qui, tu vas agir de la façon que Dieu dit que tu es. Si tu crois ce que Dieu dit de toi et tu sais pourquoi tu es ici, tu vas faire pourquoi tu es ici. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, tu fais un gaspiller de l'air, tu te promènes puis tu attends que Dieu fasse quelque chose puis tu utilises Dieu comme... Tu utilises Dieu pour enflouer ton compte de banque, tu utilises Dieu pour avoir une belle maison, une belle voiture, puis là tu dis Dieu me bénit, hallelujah, mais tu travailles 100 heures semaine pour avoir ta belle maison puis ta belle voiture. C'est pas Dieu qui te bénit, là. C'est juste le principe que si tu travailles, tu vas récolter. Et pendant que tu travailles puis que tu récoltes puis que tu penses que Dieu te bénit dans ta grosse maison puis ta grosse voiture, mais tu passes pas de temps avec lui, les gens voient pas Jésus dans ta nature, puis toi tu es démoralisé puis tu te sens seul dans ta grosse maison puis ta belle voiture, puis tu penses que Dieu te bénit. Dieu donne dans la bénédiction pour que ça coule à travers toi. Amen. Dieu donne dans la bénédiction pour que les gens voient la bénédiction dans ta vie et disent, cette personne-là, il est rempli de l'esprit. Cette personne-là, oui, il a de la bénédiction, mais elle ressort la bénédiction. Cette personne-là, oui, Dieu le touche, oui, Dieu prend soin de lui, mais il redonne aux autres. Parce que cette personne-là cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6, 33, et toutes choses lui sont données par-dessus. Aujourd'hui, on cherche toutes les choses par-dessus, puis si on les a, là, on cherche Dieu. Cherche Dieu, puis Dieu s'occupe de ces choses-là, parce que ces choses-là, il sait que tu en as besoin. Perds pas de temps à prier pour ces choses-là. Les chrétiens aujourd'hui vont de conférence en conférence pour avoir les 7 clés du succès, pour obtenir la richesse et la prospérité de Dieu, puis les 10 étapes, puis les 10 échelons. Puis... La Bible te dit, sème généreusement, tu vas moissonner généreusement. Ah, j'aime pas tant ça. Il doit avoir un bypass quelque part, il doit avoir une onction, un manteau de prospérité. Non, Dieu dit, sème généreusement, tu vas moissonner généreusement. Tu vas être en santé, sème la guérison. J'aime mieux aller de conférence en conférence pour recevoir une imposition. Dieu veut qu'on guérisse les malades, oui. OK? Dieu veut que je prie pour les gens pour qu'ils soient guéris, mais Dieu veut pas que je devienne la béquille de tout le monde qui a besoin. Dieu veut que la personne soit guérie pour qu'elle réalise comment Dieu est bon pour elle et qu'elle commence elle-même à faire la même chose. Parce que si Dieu te guérit à travers moi, il veut guérir à travers toi. Le but, c'est pas tout le temps que tu appelles Joe quand tu as un besoin ou que tu appelles qui que ce soit d'autre que tu vois fonctionner dans la guérison. C'est que toi, tu sois guéri et que tu puisses dire, bien, maintenant, je vais aller de l'avant. Puis même si ma guérison n'est pas complète, je vais aller de l'avant parce que Dieu veut le faire à travers moi aussi. Parce que sinon, on devient comme des docteurs spirituels puis le monde font tout le temps référence à nous pour avoir besoin, pour répondre à leurs besoins. Oui, Dieu veut te toucher. Oui, Dieu veut te guérir. Oui, Dieu veut que tu sois bien. Oui, Dieu veut te relever. Mais il ne veut pas te relever à tous les jours. Il veut te relever pour que tu restes debout. Parce que si Dieu te relève, il te relève comme il faut, là. Il te relève pour que tu restes debout. S'il te relève et ta pensée n'est pas renouvelée, ben, tu vas retomber le lendemain. Parce que tu ne vois pas ce qui te fait tomber. La seule différence entre une pierre d'achoppement ou une marche, c'est ta perspective. Si tu vois le problème dans ta vie comme une pierre d'achoppement, plutôt tu ne le vois pas venir, tu vas planter. Mais si tu sais t'es qui en Jésus, tu vas voir le problème, tu ne diras pas c'est une pierre qui va me faire tomber, ça c'est une marche qui va me faire monter. C'est simplement la perspective que tu as des choses dans la vie qui va déterminer comment tu vas les vivre dans le naturel comme dans le spirituel. Entoure-toi. T'sais, dans le naturel, là, les gens qui réussissent quelque chose, généralement, ils se tiennent avec des gens qui réussissent. Ils font des conférences, des motivateurs, c'est totalement charnel, c'est totalement psychologique, mais ça fonctionne parce que quand les gens autour de toi réussissent, ça change ta mentalité. Il n'y en a pas beaucoup qui savent, mais moi, dans le passé, j'ai fait du skateboard pendant à peu près 10 années. Okay? Puis ça, là, quand tu tiens avec des gens qui sont plus forts que toi, tu deviens automatiquement plus fort. Si tu te plains avec des gens qui sont moins bons que toi, moins talentueux que toi, ben tu n'évolues pas, tu stagnes, tu es correct comme que tu es. Mais si tu tiens avec des gens qui sont meilleurs que toi, qui font des choses supérieures à toi, instinctivement, ça devient plus facile de réussir ces choses-là.
Pourquoi? Parce que le domaine de ton impossibilité et les limites que toi, tu as dans ta perspective, là, ben, quand tu es avec ces gens-là qui sont meilleurs que toi, tout devient facile parce que tu vois que ça devient possible. Si c'est possible pour eux, puis toi, c'était une barrière pour toi, bien, si eux, ils réussissent, toi aussi, tu es capable de réussir. Donc, ça semble se ressemble. Si tu tiens avec des gens qui sont positifs, des gens qui avancent, des gens qui font quelque chose, bien, tout le monde va s'encourager, puis ça va progresser. Si tu tiens avec des gens qui sont tout le temps négatifs, puis que toi-même, tu es négatif, bien, tu ne progresseras jamais. Parce que la limite que tu as, ça va devenir ton enclos. Puis tu vas arriver à une limite, puis là, tu vas frapper un mur, tu vas arriver à une autre limite, puis tu vas passer ta vie dans ton petit enclos, puis tu vas penser que tu es limité là. Alors que Dieu, il est partout l'autre bord de ton enclos. Il attend juste que tu traverses, puis tu dis « je ne suis pas capable ». Non, je ne comprends pas. Dieu vient de te dire de traverser. Je ne suis pas capable. Arrête! Il vient de te dire de traverser. Il ne te demande pas si tu es capable. Il te dit de traverser. C'est comme si Dieu te dit « repends-toi, puis je vais te sauver ». Non, je ne peux pas te sauver. Attends, c'est Dieu qui te sauve, là. Il doit le savoir, là. Je t'envoie pour proclamer ma bonne nouvelle. Ah, pas moi. Non, si tu n'as pas bien compris. Dieu qui t'a créé, chacune de tes atomes, là, il te dit, il t'envoie. Pas capable, Seigneur. T'as pas compris, là? Il t'a pas demandé si tu étais capable. Il te dit, vas-y. Même si tu es à 100% pas capable, là, on s'en fout. Si tu y vas, c'est lui qui y va. Il s'appuie pas sur tes capacités, là. Il s'appuie sur les siennes en toi. Tous les gens qui ont réalisé quelque chose dans la parole qui ont été utilisés par Dieu, ils avaient les mêmes excuses que vous et moi. Ils ont tous commencé par « je ne suis pas capable ». C'est pas le bon moment. Envoie-en un autre. Je ne peux pas faire ça. Trop de problèmes personnels dans ma vie à régler avant. Je ne peux pas faire ça, j'ai un enfant. Je ne peux pas faire ça, ma femme n'est pas convertie. Je ne peux pas faire ça, je suis trop gêné. Je ne peux pas faire ça, je manque d'audace. Je ne peux pas faire ça, je ne connais pas la parole assez. Non, ce ne sont pas des excuses valables. Si Dieu peut se servir d'une pierre pour parler, les pierres n'ont pas fait d'études bibliques. Elles ne sont pas forcément très, très belles. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins. Elles ne sont pas très éloquentes dans leur façon de... Elles ne sont pas très malléables non plus. Si Dieu peut se servir d'eux autres, il peut se servir de toi. Pourquoi? Parce que si Dieu peut se servir d'une pierre pour proclamer son nom, il peut prendre ton cœur de pierre et proclamer son nom à travers pour que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, que tu sois malléable, que le bon potier puisse te façonner. Alléluia. On va ouvrir dans Romains 12, 1. C'est important qu'on sache qu'on est qui en Jésus, mais c'est aussi important qu'on sache pourquoi qu'on est là. OK? Parce qu'on dirait que la majorité d'Église aujourd'hui, elle croit qu'elle est là pour tuer le temps. On est là, on attend l'avènement du Seigneur. Alléluia. Tu sais, l'avènement du Seigneur, là, si ça aurait été juste ça, Dieu, il peut te prendre n'importe quand avec lui. Là. Dès le moment où tu sors des eaux du baptême, il aurait pu t'enlever et t'amener au ciel. Là. Si t'es disciple pour écouler le temps, tout aussi bien d'écouler au ciel, c'est pas mal mieux d'après moi. Romains 12 et le verset 1. OK, ça, dans le fond, c'est une description de tâche que la Bible nous donne. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Ce qui sera de votre part un culte. Que ça dit dans vos biens? On a la même Bible. Je vous exhorte donc, frères, et sœurs, en parenthèse, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Okay, c'est pas écrit juste vos petits cœurs, là, c'est écrit vos corps, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La description qu'on vient de lire là, là, pour l'Église moderne aujourd'hui, la majorité du temps, ça, là, quelqu'un qui répond à ces critères-là, c'est quelqu'un qui a une onction puissante, un super ministère qui est réellement appelé de Dieu. Pourtant, la Bible appelle ça un culte raisonnable. Un chrétien supposé d'être ça. À offrir vos corps. Tu sais, quand la Bible dit offrir vos corps, là, ça veut dire que tu es obligé d'être all-in. Parce que ton corps, il ne fera rien de seul. Tu ne peux pas offrir ton corps à moins que ta tête lui dise de s'offrir. OK? Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice dans la Bible, si vous connaissez votre Bible un minimum, c'est quelque chose que tu offres à Dieu. Tu l'offres pour honorer Dieu, puis tu ne l'offres pas à moitié. Tu dis, prends la tête du bœuf, regarde les pattes. Non, tu l'offres au complet. OK?
par amour pour Dieu, parce que tu veux l'honorer. Tu t'offres toi-même comme un sacrifice vivant, ton corps en entier. Donc, si tu offres ton corps à Dieu, bien, il faut que ta tête lui dise de s'offrir. Il faut que tout ce que tu fais avec ton corps puisse honorer Dieu. Saint, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice qui est vivant et qui est saint, c'est agréable à Dieu. On a dit tantôt dans Hébreux 11:6 que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc, si tu veux être un sacrifice agréable à Dieu en offrant ton corps, il faut que tu fasses tout avec ton corps par la foi. Oh, ça fait-tu trop de versets collés, ça, ou c'est la parole? Si tu offres ton corps saint, agréable à Dieu, et que ça prend la foi pour être agréable à Dieu, ça veut dire que tout ce que tu fais avec ton corps, tu le fais par la foi. Ça veut dire que ça vient de régler le problème de « oui, mais ça ne me tente pas à matin, Dieu. » On s'en fout de ce qui te tente à matin, puis demain, puis hier, puis dans 2 mois. C'est pas ce qui te tente que tu fais. Tu fais ce que Dieu te dit. Yeah. Dieu te dit que tu offres ton corps. La Bible nous dit « fais tout comme pour le Seigneur. » Tu vas à l'épicerie comme si tu la faisais pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à l'épicerie? Ben, tu essaies de toucher les gens autour de toi. Si tu ne touches pas les gens autour de toi, ben, tu es en communion avec le Seigneur, puis tu pries, puis tu loues, puis tu parles en langue. Fort si tu veux, moins fort si tu veux, moins déranger les gens. Remarque, ça peut ouvrir une porte si tu entends parler en langue des allées. Tout ce que tu le fais pour le Seigneur, parce que ton corps est un sacrifice vivant. C'est pas juste ici, dimanche, quand tu rentres à l'église, là. Puis quand tu sors, là, tu t'en vas, puis tu as peur, puis tu vas être bombardé, puis tu veux survivre jusqu'au dimanche d'après. Pas supposé d'être de même, là. Tu viens à l'église pour être renouvelé dans ton intelligence, puis tu t'en vas appliquer comment tu peux donner une raclée au diable toute la semaine. Amen. Puis tu passes pas la semaine à dire « Satan, t'es sous mes pieds! » Dans le fond, tu le crois pas pantoute, c'est juste parce que t'es blessé, t'es tanné, puis tu penses que comme ça, tu vas le convaincre. Elle n'a rien à faire de ce que tu dis, Satan, là. C'est ce que tu crois. Comment que tu crierais haut et fort le dimanche, tous les dimanches, que Satan est sous tes pieds, que t'es la tête et non la queue, quand tu sors d'ici, puis t'as la queue tout le temps entre les jambes, puis tu reviens dimanche après dimanche, t'es tout le temps battu, écrasé. Ça ne dérange pas tellement que tu cries ça le dimanche d'un rail avec toute la gang. Là. Il te regarde le dimanche, puis il se dit, attends, on va voir comment tu y crois. Jésus, t'es mon Seigneur, je suis la tête et non la queue, Satan, t'es sous mes pieds. Il sort de l'église, il y a un gars qui te coupe à la lumière. Es-tu encore ton Seigneur, là, ou tu as donné un break? La journée que la majorité des serveuses d'un restaurant détestent le plus, c'est les dimanches à l'heure du brunch, parce que c'est là que tous les chrétiens vont dans un restaurant, puis c'est des pires clients. Ça, c'est le témoignage que l'Église a. C'est ceux qui critiquent le plus, qui sont les plus impatients, puis qui sont les plus cheap. Pas normal, ça, là. Non. Jésus est ton Seigneur à l'Église, ça teint sous tes pieds, puis quand la facture est trop haute, tu rabats ça sur la serveuse qui n'a rien à voir avec les prix ni la nourriture. Même si la facture est trop haute, même si la nourriture n'est pas bonne, profite-en donc pour bénir la serveuse. La serveuse, elle sait que son service a été difficile, elle sait que les prix sont un petit peu chers, elle sait que la nourriture n'était pas comme elle devrait être. T'as pas besoin de les rappeler, là. Profite-en donc pour l'édifier, pour la fortifier, pour lui dire que Dieu l'aime, que Dieu veut la bénir, que Dieu veut se servir d'elle, puis c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, au moins t'as de la nourriture dans ton assiette, il y en a qui n'en ont pas. Ça va changer un petit peu l'image que les gens ont de l'Église. Amen? Mais ça, ça commence par pas changer l'Église, ça commence par toi changer, parce que toi, t'es dans l'Église. Puis si toi, tu changes, bien là, les gens peuvent regarder à toi. Si tu passes ton temps à trouver des gens qui sont frustrés puis tu travailles contre l'Église, il n'y a jamais personne qui va changer. Toi, tu es un membre de l'Église, toi, change, puis après ça, les gens autour de toi vont avoir un modèle à suivre. C'est beaucoup plus facile de changer que d'essayer de changer les autres, hein, savez-vous? Si vous essayez de changer les autres, là, ça peut prendre bien du temps. Si vous essayez de changer vous, là, c'est immédiat, c'est un changement. Ben, je décide que là, c'est fini, je fais plus ça. Amen? Donc, on offre nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. C'est un minimum, c'est un standard. C'est ce que Dieu s'attend de vous et moi. Que 100% du temps, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe où est-ce qu'on fait, on est en fonction. Pas juste à l'Église, pas juste les personnes qui prêchent en avant. Vous êtes des sacrificateurs, selon 1 Pierre 2:9, des sacrificateurs et des rois, sous l'ordre de Melchisédek, Dieu très haut. Vous êtes en fonction. Vous êtes un sacrificateur constamment, 24 heures sur 24. Savez-vous pourquoi? Un sacrificateur, c'est hors des sacrifices. Sacrifice, c'est votre corps. Fait que tant que vous êtes dans votre corps, vous êtes en service. Parce que vous sortez de votre corps la nuit, peut-être ça peut vous donner un break, mais tant que vous êtes dans votre corps, vous êtes en fonction parce que vous êtes un sacrifice. Vivant, devant Dieu, saint et agréable à Dieu. Saint. C'est écrit saint. Vous êtes des saints. Vous n'êtes pas des parfaits, vous êtes des saints.
Saint, ça veut dire mis à part par Dieu pour un but. Fait que tout le temps où vous pensez que vous êtes rien et que vous n'êtes pas capable, Dieu vous dit qu'il vous a mis à part pour un but. Vous savez que si vous êtes sauvé, c'est parce que Dieu vous a choisi, là. Vous avez été prédestiné avant la fondation du monde. Il savait la date de votre naissance. Il ne se réjouissait pas des conditions dans lesquelles vous alliez arriver au monde, parce qu'il y a des gens qui arrivent dans des conditions terribles, qui sont injustifiables, qui sont tristes, qui ne devraient pas arriver, mais ça, c'est arrivé à cause de la chute de l'homme. Si l'homme n'avait pas chuté, la condition dans laquelle vous êtes arrivé ici-bas, ça ne serait pas passé comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand même que tu penses que tu es un enfant délaissé, orphelin, qui a été abusé toute ta vie, dans 30 ans, dans 40 ans, mais tu vas être encore comme ça. Dieu t'a libéré de ça, t'as été sauvé de ça, t'es plus cette personne-là. T'as pas besoin d'avoir été aimé par ton Père naturel pour recevoir l'amour du Père céleste. Ton Père naturel, s'il t'a pas aimé, c'est parce qu'il connaissait pas Dieu, il connaissait pas mieux. Maintenant, t'as un Père céleste qui t'aime, c'est lui qui t'a créé. T'es pas né d'ici-bas, t'es né d'en haut. Cette première naissance-là est arrivée, c'est triste, c'est déplorable. T'es venu au monde déchu, dans un monde déchu, mais t'es né de nouveau. T'es né à nouveau. C'est pas poétique ce que la Bible dit, là. T'es né à nouveau. T'es né d'en haut. T'es né d'eau et d'esprit. T'as plus rien à voir avec qui t'étais. Même si t'as le même aspect physique, t'es plus qui tu étais. T'es une nouvelle créature. T'es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va faire ici-bas dans un monde déchu? Ben, il va marcher à l'image de Christ. Si Christ a marché comme il a marché, nous devons de marcher comme il a marché. Même si personne autour de toi marche comme Christ a marché, ton modèle, c'est pas les gens autour de toi, c'est Jésus. Si tu marches comme les gens autour de toi, tu vas te ramasser où est-ce que la foule s'en va, puis la foule, elle suit le courant. Puis le courant, généralement, ne mène pas à bonne place. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène au salut. Je sais qu'on n'aime pas ça entendre ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on veut inviter les gens au Seigneur et on veut mettre ça tellement large que tout le monde dise « oui, je le veux ». On supplie les gens de répéter la prière de repentance. Tu sais, si tu es obligé de le supplier, là, ça se peut qu'il ne soit pas prêt et qu'il ne soit pas sincère. Dans la parole, c'est plus les gens qui suppliaient Jésus. Il y a peut-être un changement. Je sais qu'on aime ça faire les choses à notre façon parce qu'aujourd'hui, on a amélioré la chrétienté, mais non, dans le fond. Le modèle biblique était bon. D'après ce que je peux voir, fonctionnait mieux que ce que je peux voir aujourd'hui. Fait que si on essaierait le modèle biblique, même si ça sort du courant un peu, même si les gens ne seront pas d'accord, même si les gens vont être bouleversés, bien, ça se peut qu'on voit des fruits différents. Puis ça commence pas en critiquant ce que les autres font, ça commence en changeant ce que nous on fait. Amen? OK. On a-tu le temps? On va aller lire dans Nombre. Ancien Testament encore. Chapitre 13. Des exemples dans la parole. Où des gens avaient une mauvaise perspective d'eux-mêmes. Mauvaise perspective, ça veut dire une perspective différente que celle que Dieu a de toi. Même si tu penses que la perspective est bonne, c'est différente de celle de Dieu est mauvaise. Nombre chapitre 13, on va faire un petit peu de lecture à partir du verset 1. Ça nous parle, ceux qui ont déjà lu leur Bible ou qui en ont déjà entendu parler, je sais que c'est de plus en plus rare dans l'Église aujourd'hui, mais... Ça part des 12 espions qui ont visité la terre promise. On se souvient juste de Josué et de Caleb, puis on n'a aucune idée du nom des autres, parce que les autres, c'est des perdants qui avaient un mauvais rapport. C'est comme ça dans le naturel, on se souvient juste des gagnants. On ne se souvient pas des perdants. Tu t'en fous de la personne qui a gagné la médaille de bronze. Tout ce que tu soutiens, c'est celle qui a remporté la victoire. OK? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Je pense que la majorité de vous, vous êtes familier un petit peu avec cette partie-là de la Bible. Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Ça faisait 400 ans qu'il était esclave. Dieu les a fait sortir de l'Égypte par 10 plaies surnaturelles. Amen. Je sais que ça n'impressionne pas tellement le monde aujourd'hui. Vous essayez de les reproduire, c'est quand même pas pire. Il y a des plaies pas pire pareil. Dieu a fait sortir à main forte, à bras étendus, son peuple de l'Égypte. Non seulement il les a fait sortir de l'Égypte par des miracles comme ça, mais il les a fait sortir avec toute la bénédiction. Les Égyptiens, le gars rochait de l'argent sur la tête puis s'en aille. Ça, c'est la bénédiction que Dieu avait pourvue pour son peuple. Non seulement ça, aujourd'hui, on aime ça la prospérité, on dit amen à ça, mais regardez bien ça, il les a fait sortir en santé. Tous ceux qui étaient là, il n'y en avait aucun qui était malade et ferme. Il n'y avait pas de docteur et de pharmacie à tous les coins de rue. Dieu les a fait sortir de là par 10 plaies puissantes, en santé et riches. Hallelujah.
Ça, c'est le cœur de Dieu pour son peuple. Pas parce qu'il mérite, là. Parce que Dieu a reconnu la foi d'un homme, il a reconnu le cri de leur cœur, il a entendu la souffrance de son peuple, il est intervenu. Dieu les a fait sortir comme ça, les a fait traverser la mer Rouge à sec. Je sais que ça ne nous impressionne pas tellement trop aujourd'hui, mais je suis sûr si on irait tout ensemble au lac Boivin, qu'on le fendrait et qu'on traverserait à sec, la majorité des gens seraient quand même surpris. Il n'y a pas tellement un pédo pourtant. Là. Dieu les a fait traverser la mer Rouge à sec, puis ils voyaient les murs chaque bord. On dirait qu'on lit la parole des fois, puis on pense que c'est comme un conte de fées, là, mais c'est vraiment arrivé. Là. C'est quand même cool, là, tu traverses un océan, puis l'eau, elle tient de même. Dans le naturel, ça se peut pas. Là. Puis là, là, quand t'es traversé, elle se referme sur toute l'armée. Pas plein miracle. Ce même peuple-là qui a vécu ça, sont traversés l'autre bord. Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est descendu. Colonne de nuée. Fumée. L'Esprit de Dieu. La nuit, ça se transformait en colonne de feu. Je ne veux pas commencer là-dedans, mais ça, ça sera un autre message. Mais le peuple d'Israël sorti d'Égypte, c'est tellement une des belles images puis des belles ondes de notre repentance, notre baptême d'eau puis du Saint-Esprit et de feu aujourd'hui, mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais Dieu est tellement fort. Il les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Ils chialaient, ils chignaient, c'est pas parce qu'ils méritaient. Ils le faisaient tomber chaque jour, le pain descendu du ciel, la manne. Vous savez ce que ça veut dire, le mot manne? Ça veut dire, c'est quoi ça? Quand ils ont vu la manne tomber, ils ont dit, c'est quoi ça? Ça s'est appelé, c'est quoi ça? Fait qu'à tous les matins, ils mangeaient du c'est quoi ça, frère? Vous n'avez aucune idée c'est quoi? Parce que Dieu ne te demande pas de savoir c'est quoi, il te demande de faire confiance. On s'en fout, c'est quoi? C'est frais tous les matins. Si t'en gardes pour le lendemain, il va être pourri, je t'en donne du frais. Le pain descendu du ciel est frais tous les matins parce qu'il est vivant, il vient d'en haut. Il manquait de rien. Quand tu veux de l'eau, on est dans le désert. On a un problème. Parfait, on va en faire sortir de la roche. C'est pas possible dans ton monde, mais moi je suis Dieu, je peux en faire sortir de l'eau de la roche. OK? Le rocher, c'était Christ. Le même peuple qui avait vécu toutes ces choses-là. OK? Il arrive. Ben, c'était leur descendant, parce que les incrédules sont morts, mais les descendants de ce peuple-là arrivent à la terre promise, la terre que Dieu t'a promis. Dieu t'a dit, je vais te donner un bon pays qui manque de rien, où coule le lait et le miel, un pays d'abondance et de bénédiction. C'est même là, ils arrivent à la promesse de Dieu. Puis regardez bien le rapport qu'ils m'ont donné. Fin du verset 2. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. OK, par mesure de temps, si ça ne vous dérange pas, on va sauter les noms, parce que ni vous ni moi, on voudrait s'appeler de même. Verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à José, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan, et il leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. » Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand en nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, toutes les choses naturelles standards. Tu sais, tu t'en vas envahir un pays, tu veux savoir à quoi tu vas faire face un peu. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Verset 21. Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Ramah. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Hébron qui était bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Chol, où ils coupèrent une branche de la vigne, comme Moïse nous avait dit de ramener les fruits du pays avec une grappe de raisins, qu'ils portèrent à deux. OK, je ne sais pas comment c'est quand vous allez en chercher une à l'épicerie, mais à deux, c'est une perche, tu sais, correct grappe, là, quand même. Ils prennent aussi des grenades et des figues pour faire sauter le monde, là, le fruit de la grenade. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Échol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Parce que, bon, Échol veut dire grappe. Bon, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. OK, ça, c'est le peuple qui a vécu tous les miracles que je vous ai parlé. Là, ils étaient arrivés au but. Ça fait 40 ans qu'ils courent après un but que Dieu leur a promis. Là, ils sont arrivés où est-ce que Dieu leur avait promis. Ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel.
et en voici les fruits. Tu sais, quand vous parlez à des chrétiens, ça va souvent commencer comme ça. Ils vous mettent la belle partie au début, là, mais checkez bien les phrases qui s'en viennent après. Mais! Et vous savez, quand il y a un mais, il va y avoir un problème. Comment ça va, mon frère? Ça va. Dieu est bon, gloire à Dieu, alléluia, kumbaya. Mais, garde-moi en prière, parce que là, prépare-toi. Là, tu vas avoir la voix qui semble bonne à l'homme. Les villes, le pays, le peuple qui habite, verset 28, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ça, c'est des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Là, tu sais qu'à la fin de ce verset-là, là, tu avais trois quarts du peuple qui était démoralisé. Là. Ils étaient déjà des principes, ils se voyaient déjà morts, décapités, ils voyaient leurs femmes violées, ils voyaient leurs enfants, ils se voyaient pillés, puis là, ils commençaient déjà à critiquer. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte pour nous amener dans un pays où on va tous mourir? Le même Dieu qui a fait tous ces miracles-là pour eux, il les amène dans la terre promise. Tu sais, si Dieu te promet quelque chose, genre, tu peux quand même te fier, là. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il connaît déjà la fin du début. Il connaissait déjà le début à la fin. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est ce Dieu-là duquel on parle. Il a démontré ça pendant 40 ans à ce peuple-là. Puis là, il voit ces choses-là dans le naturel, puis ils se disent, oui, c'est le pays que tu nous as promis. Tu sais, oui, il y a bien le lait et le miel qui coule comme tu nous l'as promis, mais il est full peuplé. Il y a des géants. Il n'y en a pas 50 000 géants, là. Il y a quelques géants aussi qui sont grands, sont forts. T'sais. Ils peuvent tuer des gens. C'est difficile. Les villes sont grandes et fortifiées. Puis là, à cause de ces quelques détails-là, ils oublient tout le reste. Ils oublient tout ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a fait pour eux dans le désert. La perspective n'est pas bonne. On va continuer à aller. Caleb fit taire le peuple. Okay? Quand ça commence à être négatif, tu es un enfant de Dieu, ne laisse pas passer le négatif, arrête ça tout de suite, parce que plus longtemps les gens sont négatifs, plus ils sont incrédules. Plus ils sont incrédules, plus ça va être dur de les faire croire. Pourquoi les gens qui sont les plus incroyants aujourd'hui, c'est les chrétiens? Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont incrédules. Je savais que ça ne donnerait pas plus d'amène que ça. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. En passant, le murmure, c'est pas de Dieu. Fait que vous savez, quand les gens murmurent, c'est pas vraiment Dieu qui veut ça. Caleb les fit taire et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Tu sais, il faisait partie des 12, lui. Pourquoi est-ce que lui pense de même, puis tout, puis les 10 autres, à part Josué, ils pensent pas comme ça, là. Juste sa mentalité était différente, là. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Qui c'est qui te dit qu'il était plus fort que toi? Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Comment est-ce qu'ils savaient ça? Ils ont été là 40 jours, se sont promenés un peu. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Pas tout le monde qui était là était de haute taille. La Bible nous décrit qu'il y avait quelques géants qui étaient là. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions dans nos yeux. Regardez, c'est ça le secret, là. Je vous ai fait entendre ma belle voix mélodieuse tout le long de ce chapitre-là, juste pour ce verset-là. La partie B du verset 33. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Pourquoi est-ce qu'ils étaient des sauterelles aux yeux des géants? Parce qu'ils étaient des sauterelles à leurs yeux. Ton ennemi va te voir comme toi, tu te vois. Si tu penses que tu es vaincu, avant d'aller l'affronter, il va savoir que tu es vaincu, que tu es démoralisé, donc il va avoir l'autorité sur toi. Pourquoi les chrétiens ont de la misère à vaincre le diable? Parce qu'ils pensent qu'ils sont vaincus avant de l'affronter. Ça va lui donner un petit coup, puis ils se cachent après parce qu'ils ont déjà peur des représailles. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, là, barge dans le tas, puis toi, intimide-les. Il est supposé d'avoir peur de toi. Quand tu te réveilles le matin, Satan devrait se gratter la tête avec ses démons et dire « Oh non, il vient de se réveiller. » Quand tu rentres dans une pièce, il devrait dire « Oh non, il faut le faire sortir d'ici. » Nous autres, on rentre dans une pièce pour purifier l'atmosphère spirituelle parce qu'on ne veut pas être attaqué, on ne veut pas ouvrir des portes. Qu'est-ce que tu fais? Tu as pris la porte qui est Jésus, tu es en Jésus. Quelle porte tu vas ouvrir? Là? Si tu veux ouvrir des portes, il va falloir qu'il passe par Jésus. Il n'est pas vraiment intéressé de faire face à Jésus.
quand ils voient Jésus, ils supplient. Okay? Ça devrait être comme ça, notre attitude. Ta perspective de qui tu es va déterminer comment est-ce que Satan va te voir, comment est-ce que la maladie va te voir, comment est-ce que les gens autour de toi vont te voir. Amen. C'est la même chose dans le naturel. Dans le naturel, là, si tu es un entrepreneur ou quoi que ce soit, une personne qui réussit quelque chose dans le naturel, si tu n'as pas confiance en toi, les gens autour de toi n'auront pas confiance en toi. Même si tu n'as pas confiance en toi, agis comme si tu as confiance en toi, puis les gens vont vouloir investir dans toi. C'est comme ça. Si tu es vendeur d'assurance ou quoi que ce soit d'autre, si tu vas vendre un produit et tu n'as pas confiance dans ton produit, tu ne convaincras pas le monde de l'acheter. Si tu es convaincu de ton produit, même si tu sais que ton produit n'est pas bon, mais tu es assez convaincu que la personne va être convaincue, elle va embarquer avec toi, là tu vas grandir, ça va progresser, tu vas réaliser quelque chose. C'est la même chose avec Dieu. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas t'es qui, tu ne crois pas ce que Dieu dit de toi, tu donnes un mauvais rapport. Les gens qui ont, les 10, à part Josué et Caleb, le rapport qu'ils ont donné, la Bible appelle ça un mauvais rapport. Pourtant, c'est vrai que les gens qui ont vu étaient des géants. C'est vrai que les villes qui ont vu étaient fortifiées. Qu'est-ce qui a fait que c'est un mauvais rapport? C'est qu'ils ont dit « on ne pourra jamais réussir ». Si Dieu te dit que tu peux réussir, puis toi, pour quelconque raison, tu dis « non, je ne pourrais pas réussir », c'est un mauvais rapport devant Dieu parce que tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas Dieu. Dieu te dit que tu peux réussir, crois Dieu, puis tu vas réussir. Dieu ne s'appuyait pas sur la capacité du peuple d'Israël pour les faire entrer dans la terre promise. Il sait c'est quel genre de peuple. Ça fait 40 ans qu'il dit avec eux autres. C'est un peuple au courant qui voit miracle après miracle puis qui continue constamment à se rebeller. Amen. Dieu ne s'appuyait pas sur leur capacité parce qu'il méritait pour les faire entrer. Il leur a dit, je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel. Je vous le donne, c'est votre terre promise. Maintenant, allez, prenez-en possession. Bref, tu sais, il a fallu qu'ils aillent en prendre possession du pays. Là. Dieu les a donnés, mais ils sont allés en prendre possession. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une dimension de foi qui est impliquée. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu a pourvu pour nous tout ce qui est nécessaire à la piété. En Jésus-Christ, on ne manque de rien. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il t'a tout donné. Il t'a donné ta terre promise. Maintenant, va et possède-la. Les chrétiens voudraient que Dieu fasse tout encore. Il a pourvu à tout, mais il veut que toi, tu y ailles la posséder. Il t'a donné la terre en héritage. Tout lieu que foule la plante de ton pied, il te le donne. Va, guéris les malades, chasse les démons, prêche l'Évangile, puis fais ce que Dieu s'attend de toi. Que ton corps soit une offrande et un sacrifice vivant à l'Éternel, saint et agréable à Dieu. Les autres ont dit, ben non, c'est pas possible. T'as-tu vu comment le monde sont incrédules? Dieu dit, je t'ai donné la terre en héritage, je t'ai donné les nations, la moisson est grande. Toi, tu regardes ça, puis tu dis, ben non, les gens sont incrédules, ils veulent rien savoir de Dieu. Alors, viens donc Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens de sortir d'ici. Non, il t'a donné ta terre promise, mais Satan t'a la posséder. Oui. Crois ce que Dieu dit de toi. Amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils seraient capables. Ils seraient capables d'y arriver. Ils ont été capables de le faire. Mais les incrédules sont morts, mais ceux qui ont cru, ils ont été capables de le faire. Les gagnants qui avaient une bonne perspective. Josué et Caleb, ils ont vu les mêmes choses que tous les autres. Ils ont vu les géants, ils ont vu les villes grandes et fortifiées. Mais eux, ils ont eu une perspective différente. Ça devrait t'exciter quand tu vois l'opposition qui est là et les choses difficiles, parce que tu dis, le Dieu de toute éternité qui est de mon bord me donne une terre promise. J'arrive dans la terre promise, puis maintenant, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, puis l'opposition va être grande. Alléluia! Ça veut dire que si ça, c'est ma terre promise, puis il y a tout ça dedans, Dieu va me rendre vainqueur de tout ça. Parce que c'est ma terre promise. On s'en fout de ce qu'il y a dedans, puis des murs qu'il a traversés, puis des épreuves qu'il a traversées. C'est ma terre promise. Si Dieu me l'a promis, ça veut dire que je vais être vainqueur de tout ça. Ça, c'est la perspective de Dieu. Mais si tu ne crois pas t'es qui, puis tu te vois comme une sauterelle, ben les gens vont te voir comme une sauterelle. Voyez-vous comment c'est démesuré, là? Vous savez comment c'est gros le ratio d'une sauterelle avec un être humain, là? Quand même que les géants étaient grands, là, c'était impossible que c'était ce ratio-là. Okay? Ils se voyaient comme des sauterelles à leurs yeux, puis parce qu'ils se voyaient, puis qu'ils étaient tellement négatifs, qu'ils étaient convaincus que les géants les voyaient comme ça aussi. C'était des espions. Tu sais, le but d'un espion, c'est de ne pas se faire voir. Là. Comment est-ce qu'ils savaient que les géants les voyaient comme des sauterelles s'ils ne se sont pas fait voir par les géants? L'incrédulité et le négativisme, c'est toujours de même. Ça part avec une affaire de même. Là, tu lances une pensée négative dans un groupe, là, puis au bout de 10 minutes, c'est rendu l'affaire. On est déjà dans l'apocalypse, puis tout est pété. Le monde sont tellement forts pour prendre quelque chose, pour faire boule de neige avec le négativiste. T'arrives, puis tu donnes une bonne nouvelle. Jésus est roi, on va réussir. Amen. Ouais, ça me fait chaud aujourd'hui. Les humains n'ont pas changé, pourtant ils devraient, parce que l'Église aujourd'hui est sauvée. Ça, c'était des gens qui n'étaient pas les nouveaux. Il y avait besoin des signes. C'était des incroyants. Nous, aujourd'hui, on est des croyants.
On ne serait pas supposé d'avoir besoin d'un signe à tous les jours pour que Dieu nous rappelle qu'il est de notre bord, que ça c'est notre terre promise, que ça c'est qu'est-ce qu'on doit conquérir, qu'on doit apporter l'Évangile aux gens. Dieu n'a pas besoin de te rappeler à chaque jour que tu es loin pour guérir les malades. Il te l'a dit une fois, c'est encore valable en attendant qu'il écrive une autre Bible. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre Bible, puis comme sa parole est éternelle, je pense qu'il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a pas besoin de te rappeler à tous les jours que tu es un ambassadeur de Christ qui a été placé ici, sélectionné avant la fondation du monde, investi du royaume de Dieu. Tu es le choix numéro un de Dieu. La majorité de ceux qui viennent de m'entendre, vous vous dites, ben non, mais oui, dans le fond. Dieu vous a sélectionné. Imaginez-vous comme quand on était à petite école, qu'on faisait les équipes de ballon chasseur, Dieu a regardé, il a dit, Manon, dans mon équipe. Quand même que Manon fait, bon, Manon au ballon, oui, là, Jésus. Moi, je sais quelque chose que toi, tu ne sais pas. OK? Parce que je ne m'appuie pas sur ta capacité au ballon chasseur, je m'appuie sur ce que moi, je peux faire à travers toi. Parce que tu es dans mon équipe. OK? On a tout de notre bord. On est du bord des gagnants, mais parce qu'on voit tellement de défaites autour de nous, on garde nos yeux sur les défaites plutôt de regarder aux gagnants. OK? Si tu n'es pas affermi dans ton identité, tu vas toujours être le résultat de tes circonstances. Les gens qui ne sont pas affermis dans leur identité en Christ sont toujours le résultat de leurs circonstances. Comment ça va, mon frère, aujourd'hui? Ils ne diront pas comment ça va, ils vont dire ce qui se passe dans leur vie. Fait que si ça va selon ce qui se passe dans leur vie, ça veut dire qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est les circonstances qui déterminent qui ils sont. Mais si Jésus avait été comme ça, on aurait eu un gros problème parce que 100% du temps, les circonstances n'étaient pas favorables pour Jésus. Premier message, Jésus lance son ministère. Tiens, il aimerait sortir une petite tape dans le dos pour dire « Colin, Jésus, t'as bien fait. » Il sort de là, il va être le garochant en bas de la montagne. Jésus aurait pu dire, pour moi, j'étais trop zélé, j'ai manqué de sagesse. Jésus, t'es sûr, tu m'as appelé? Regarde, j'ai prêché ta parole, j'ai juste lu le livre d'Isaïe. Tu sais, c'est le même livre qu'eux autres, ils lisaient, là, les scribes et les pharisiens. Juste parce que j'ai rajouté aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent, ils veulent la garoche en bas de la montagne. T'es sûr, tu m'as appelé, Seigneur? Un de ses meilleurs amis qui a témoigné sur lui, Jean-Baptiste, il vient d'y annoncer, il est décapité. Jésus aurait pu dire, « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas protégé? Franchement, je fais que du bien. Tu pourrais bien me donner un petit coup de pouce, tu pourrais bien être de mon bord. S'il y en a un qui ne méritait pas ça, c'est bien lui. » C'est Dieu qui est le juge. Il était ici pour une mission. Il regardait à ce que Dieu y avait appelé de faire, puis il ne faisait que la volonté de son Père. On pourrait penser à Gédéon aussi. On n'ira pas le lire, mais combien est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà entendu parler de Gédéon? Dans la Bible? L'ange de l'Éternel. Qui n'est pas un ange quelconque. Là. Quand la Bible utilise l'appellation « l'ange de l'Éternel », c'est Dieu sous une forme angélique qui descendait, qui parlait à Gédéon, puis il dit « Vaillant héros, va et conquéris. » Gédéon dit « Attends, d'après moi, en descendant du ciel, tu n'as pas mis une petite interférence, tu fais erreur sur la personne, parce que moi, dans le fond, je suis le plus petit de la plus petite famille en Israël. » Ça vient de clore le dé, tu peux en prendre un autre, oublie-moi. L'ange de l'Éternel dit, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as parlé du problème. La première affaire que Gédéon a dit, c'est qu'il s'est plaint du problème. Hein? Où sont les miracles qu'on a entendu nos ancêtres parler? Pourquoi tu n'interviens pas? Si tu es de notre bord, si tu m'as oint, pourquoi ça va si mal autour? Ben, c'est justement, ça va mal autour parce que je t'ai loin et que tu n'as rien fait encore. Pourquoi tu restes là? Va faire quelque chose avec l'onction que je t'ai donnée et tu vas voir que ça va changer autour de toi. Arrête de te plaindre que ça va mal. Je l'ai réglé le problème que ça va mal. La solution, c'est toi. Va avec la force que tu as. Ça, ça veut dire que peu importe comment tu penses que tu es faible, Dieu dit que tu en as quand même de la force. Lui, il n'a pas besoin de la quantité extraordinaire de force. Il a besoin de prendre celle que tu as pour faire de quoi avec. Il n'a pas besoin d'une quantité phénoménale de foi, il a besoin de la foi. La foi, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la présence. Une graine de sénévé peut déplacer des montagnes. Une graine de sénévé est suffisante. Ce qui compte, c'est qu'elle soit là. Comment que tu dis qu'elle est là, elle ne pourra jamais rien faire si tu ne fais rien avec ce que tu dis qui est là. Tu dois marcher et faire quelque chose avec cette foi-là, parce que la graine de sénévé, elle ne fera jamais rien si tu fais rien que la regarder. Tu dois la planter, comme toutes les graines, la mettre en terre. Tu dois prendre tes pieds et aller sur la terre, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Si tu fais quelque chose avec ce que Dieu te dit, ben il va pouvoir agir à travers toi. Même si tout le monde autour de toi n'est pas d'accord, comme c'était le cas avec Jésus, puis tout le monde autour de lui le critiquait et n'était pas d'accord, lui, il gardait ses yeux fixés sur le Père parce qu'il savait il était qui.
dès son jeune âge. Savez-vous que Jésus est né de nouveau? Fait qu'il avait quand même une longueur d'avance sur nous autres. Quand il a commencé son ministère à 30 ans, plus ou moins, ça faisait déjà 30 ans qu'il était en communion avec le Père. Il n'a pas eu une vie de péché comme nous. Il n'a pas été enseigné par la voie qui semblait bonne à l'homme. Il a été discipliné parce que Dieu l'instruisait dès son jeune âge. À 12 ans, déjà, il était dans le temple en train de s'ostiner avec les religieux. C'était un homme comme vous et moi. Il a juste été instruit dès son jeune âge par le Saint-Esprit qui était en lui. Maintenant, nous qui sommes en Christ, on est instruits de la même chose. On a un background que Jésus n'avait pas, qu'on a de la misère à oublier, mais ça, c'est effacé, c'est fini. Ça n'a plus rien à voir avec vous. Les choses du passé sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, le Saint-Esprit nous enseigne et nous dirige, puis qu'est-ce qu'il dit sur nous, c'est qu'est-ce qu'il est. Qui qu'on est, nous, pour s'argumenter avec Dieu quand il dit qu'il t'a appelé, que t'es loin, puis qu'il t'envoie. Dieu ne t'a pas donné une option dans la parole quand il a dit « Allez par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle ». Il n'a pas donné ça pour certaines personnes spécifiques, là. Il t'a commandé d'aller. Il t'a commandé d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Puis ça, c'est juste raisonnable. C'est pas normal que pour l'Église moderne aujourd'hui, quelqu'un qui vit de cette manière-là soit vu comme un super chrétien, alors que selon Dieu et sa parole, c'est supposé d'être un sacrifice raisonnable. Quelqu'un qui est à fond pour Dieu, qui est 100% pour Dieu, qui est à fond, qui parle de Jésus partout où est-ce qu'il est, qui met ses mains sur les malades, chasse les démons, qui est assez fou pour croire la parole, c'est quelqu'un de normal, selon la Bible. Tu sais, aujourd'hui, si on transposait l'Église dans le livre des Actes, on trouverait que les apôtres étaient pas mal zélés. Pourtant, c'était juste ce que Dieu les appelait à faire. On trouverait qu'Ananias, qui était un simple disciple, était pas mal trop zélé d'aller voir l'apôtre Paul. Pourtant, c'était un simple disciple. Dans sa journée de disciple, il s'est levé le matin, il a eu une vision, il a obéi à la vision, il est allé vers le tueur de chrétiens numéro 1. Il l'a guéri de son aveuglement, il l'a baptisé d'eau puis du Saint-Esprit, puis il l'a relâché dans le ministère. Pas plein journée pour un disciple normal. Ça, c'est un disciple normal. C'est ce que nous, on devrait vivre. C'est ce que Dieu veut qu'on vive. C'est ce que Dieu nous a appelés à vivre. Même si tout le monde autour de toi ne vit pas ça, c'est pas tout le monde autour de toi ton modèle. Gardez bien ça, même si votre pasteur ou vos anciens ne vivaient pas ces choses-là, c'est Jésus votre modèle. Critiquez pas, priez pour eux, prêchez par votre exemple. C'est comme ça que les choses vont changer. Jésus aurait pu, pendant 3 ans et demi, critiquer ce que les scribes et les pharisiens faisaient, puis il y en aurait eu beaucoup à critiquer. Mais il n'a pas fait ça, il leur a montré qu'il avait tort par sa vie. Critiquer, c'est facile, tout le monde peut critiquer. Montre-moi comment faire si t'es si bon que ça. C'est ça que les gens ont besoin de voir. OK? Fait qu'au lieu de critiquer ce que tu crois qui n'est pas correct, bien, tu t'alignes selon la parole, ce que toi tu vois de correct, puis tu le manifestes par ta vie. Puis les gens là, que tu critiques, que tu penses qu'ils en font passer pour le Seigneur, bien, en voyant ta vie, ils vont peut-être faire « Wow, je peux faire ça moi aussi. » S'ils ne font pas, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Puis ils sont aveugles à ce que Jésus faisait parce qu'ils voient Jésus comme un personnage qui est inatteignable. Mais Jésus te dit « Les choses que j'ai faites, tu vas les faire puis tu dois en faire de plus grandes. » C'est ça que tu es appelé à faire si tu crois en moi. Croire en Jésus, ça ne veut pas juste dire croire qu'il existe, ça veut dire croire ce que Jésus dit de toi. Jésus, ce qu'il dit de toi, entre autres, comme ça, une pensée qui me bloque par la tête, dans Luc 19, il a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. » Aujourd'hui, l'Église entend ça, puis elle fait « Ouais, ça, c'est plus pour ceux qui sont dans le ministère, ou pour moi, éventuellement. » Non, c'est pour toi, maintenant. Tu as la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, maintenant. Ça fait 2000 ans que tu l'as et tu l'as mis disponible. Depuis que tu es nouveau, tu en as pris possession. La seule raison pourquoi tu ne le fais pas, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour que ça s'accomplisse? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ben, genre des croyants, ça devrait être pas mal nous autres, là. Parce que la Bible dit que celui qui a cru et qui a été baptisé va être sauvé. Donc, si tu as cru et que tu as été baptisé, tu devrais faire partie des croyants. Donc, les croyants, les miracles qui les accompagnent, c'est qu'ils chassent pas les démons. Aujourd'hui, une grosse partie de l'Église ne croit plus des démons. Fait que là, ça va mal. Le premier signe dans la parole que tu es un croyant, c'est que tu chasses les démons. Si tu ne crois pas des démons, tu ne chasseras pas les démons. Fait que là, tu as une perspective différente que ce que Dieu dit de toi. Dieu te dit que tu es loin pour chasser les démons. Dieu te dit que tu es loin pour guérir les malades. Dieu te dit que tu es loin pour entendre sa voix. Dieu te dit que si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Oui, mais je ne le sens pas, mon frère, mais je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché. On s'en fout de ce que tu as fait. C'est ce que Dieu dit qui compte. Dieu te dit que tu es un enfant de Dieu. Galates 4 nous dit que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans son cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba ». Pas comme « OK », là. « Abba », ça veut dire. Dieu dit ça de nous. Mais nous, on regarde nos circonstances atténuantes qui ne sont pas favorables selon nous.
puis on définit qui on est selon nos circonstances atténuantes. Mais on s'en fout des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes sont là justement pour que tu puisses leur montrer t'es qui. Comment tu peux montrer au monde que tu es un vainqueur si tu ne peux jamais vaincre? Si tu veux vaincre, il faut que tu aies des occasions pour vaincre. Si tu veux chasser les démons, il faut que tu aies des occasions pour les chasser. Si tu veux guérir les malades, il faut que tu sois autour de malades pour pouvoir prier pour eux. Moïse! Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Pas moins, là. Prends-en un autre, j'ai pas la parole facile. Ils vont se souvenir que je suis quand même un meurtrier. Quand même, ça fait 40 ans que je suis caché dans le désert, ils vont se souvenir que j'ai quand même été un meurtrier. Non! Dieu t'appelle, Moïse. Dieu veut servir de toi. Pas parce que tu le mérites plus qu'un autre, parce que Dieu t'a appelé et il croit que si son esprit repose sur toi, tu peux faire les miracles qu'il t'appelle à faire. Tu peux être le bon berger de mon peuple. Moïse avait toutes les excuses possibles, les mêmes que vous et moi on donne. Il ne fonctionne pas les excuses avec Dieu. Dieu ne s'appuie pas sur nos excuses, il s'appuie sur notre obéissance. Dieu t'appelle, Dieu te oint, il veut un oui et amen. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu crois qu'il dit que tu es. Puis quand même, si toutes les circonstances, une partie de ta vie s'opposerait et essaierait de te faire croire que c'est pas vrai ce que la Bible dit, bien la Bible dit la vérité. Donc si tu continues à t'appuyer puis à faire ce que tu es appelé à faire puis à croire ce que la Bible dit de toi, tôt ou tard, il va falloir que ça se tasse. Parce que Satan, il n'y a aucune... Il n'y a aucune difficulté que tu sois ici à confesser la parole ou même lire la parole. Il y a un gros problème à penser que tu y crois. Dans la majorité des cas, c'est vrai. Les gens connaissent la parole, plus ou moins, mais ils n'y croient pas. Ils disent qu'ils y croient, mais dans leur quotidien, ils ne sont pas prêts à l'appliquer. Quand Dieu te dit que tu as l'autorité sur tout et que tu es appelé pour annoncer la bonne nouvelle, si tu vas le faire et que tu ne vois pas ce que tu voudrais voir se produire, tu vas croire la situation plutôt que croire la parole. Mais même si tu priais pour 100 malades et tu ne vois pas de guérir, la volonté de Dieu, c'est que tu pries pour les malades. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour les malades. Même si tu annoncerais le message de l'Évangile à 100 personnes et tu ne les verrais pas se convertir, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? D'annoncer l'Évangile. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas annoncer l'Évangile. C'est aussi simple que ça. Dieu ne te demande pas de regarder au résultat, il te demande d'obéir. Dieu ne demandait pas de regarder aux villes fortifiées et aux géants qui étaient là. Il leur dit, va avec la force que tu as, prends possession du pays. Je m'en fous comment de murailles qu'il y a, je m'en fous comment les gens sont grands, je m'en fous comment ils ont de l'air méchants. Je t'ai appelé, c'est ta terre promise, vas-y, puis tu vas voir ce que je vais faire. Si tu veux voir ce que Dieu va faire, bien, il faut que tu commences par y aller. Il faut que tu crois ce que Dieu dit de toi. Fais-toi un personnage s'il faut, mais convainc-toi que tu es un enfant de Dieu, que tu es un fils de Dieu, que tu es loin. Verse-toi de l'huile sur la tête si ça t'aide à le comprendre, mais tu es loin, tu es appelé, tu es puissant. T'es le choix numéro un de Dieu. À chaque fois que tu fais un mot pour le royaume de Dieu, le ciel entier est derrière toi. Amen. Dieu ne peut pas agir si tu ne fais pas quoi que ce soit. Il y a des anges, la Bible nous dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ça, c'est vous, c'est moi. C'est quand même une bonne nouvelle, je l'ai peut-être dit trop vite, là, mais les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés? Sont au service de Dieu, donc ce n'est pas vous autres qui les envoient, ce n'est pas les anges. Envoyés par Dieu, sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur, ça c'est favorable, yes, thumbs up, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu, il y a 2000 ans, quand il a écrit la Bible, il me parlait. Il n'était même pas là encore, puis il me parlait. Moi, je suis son fils préféré, dans le fond. Et vous autres aussi. T'es son fils préféré. Quand il te parle, c'est comme si tu étais le seul au monde. Si tu avais été le seul être humain sur la terre qui aurait eu besoin du salut, il serait venu pour toi. Car Dieu nous a manifesté son amour en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Dieu, c'est la valeur qu'il nous donne. Qui qu'on est, nous, pour dire autre chose puis croire autre chose parce que les gens nous disent autre chose, parce qu'on a vécu autre chose, parce que les circonstances nous disent autre chose. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est. Ce que Dieu dit de toi, c'est oui et amen. Tu crois ça, tu marches là-dedans, puis tu vas vivre ça. Ça fait-tu du sens? Ou on continue à faire ce qu'on a tout le temps fait, puis on continue à voir les résultats qu'on a tout le temps vus, c'est-à-dire rien pantoute. Mais parce que tout le monde voit rien pantoute, mais on se satisfait de rien pantoute. Fait qu'on vient à l'église dimanche après dimanche pour louer Dieu, puis on loue pour rien pantoute, parce qu'on n'a rien à le louer.
vient à l'église dimanche après dimanche pour l'adorer, mais on l'adore pour rien pantoute parce qu'on n'a rien pour l'adorer. Il n'a rien fait pour nous dans la semaine parce qu'on n'a rien fait pour lui pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Ça fait du sens? Même si ça n'en fait pas, de toute façon, sa parole. Donc, on ne va pas avec la mentalité que l'Église a depuis un bon nombre d'années. OK? Il faut changer notre mentalité. Il faut commencer à croire ce que Dieu dit de nous. Parce que tel un homme pense, tel il est. Tel une femme pense, tel elle est. Si tu crois ce que Dieu dit de toi, tu vas marcher selon ce que Dieu dit que tu vas faire. Dieu nous appelle à de grandes choses. Dieu nous appelle à faire plus que ce que Jésus a fait. Ce n'est pas juste des paroles, là, c'est réel. La quantité de miracles que Jésus a fait, c'est phénoménal. Mais il a vécu pendant 3 ans, 3 ans et demi de ministère. Amen. Combien ça fait de temps, la majorité d'entre vous, vous êtes au Seigneur? Depuis 2013, pour ma part. J'ai déjà le double de ce que Jésus a eu. Donc, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités, puis j'ai encore, par la grâce de Dieu, beaucoup plus d'opportunités de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Oui. Jésus, il est venu ici comme modèle, il est venu nous montrer. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. C'était le premier fils d'une grande famille. On est ses frères et ses sœurs. On est les enfants de Dieu. Amen. On est la solution à tous les problèmes d'humanité. Je sais que votre tête vient de vous dire que non, mais Dieu dit que oui. La solution à chaque problème que tu vas rencontrer est en toi. Je sais que tu ne sais pas c'est quoi, mais Dieu dit qu'elle est en toi. Fait que si tu crois qu'elle est en toi, tu rouvres ta bouche, puis au moment même, si tu ne sais pas quoi dire, la solution va sortir. Parce que la solution est en toi. Le monde entier soupire après la manifestation des fils de Dieu parce qu'ils veulent voir autre chose que le naturel qu'ils ont vécu. C'est pour ça que les gens courent les salons comme on va aller le mois prochain, parce qu'ils cherchent des réponses. Parce qu'ils ne sont pas capables de l'avoir par l'Église. Puis tout ce qu'ils voient dans l'Église, souvent, c'est de la religion. Mais ils vont aller n'importe où est-ce qu'ils peuvent vivre une goutte surnaturelle. Même si c'est du mauvais côté, ils peuvent expérimenter des choses. Ils peuvent se faire dire des choses, ils peuvent se faire prédire des choses, ils peuvent se faire soulager des choses. Parce que les gens sont tannés du naturel. On n'a pas été créés pour le naturel. On est des esprits éternels. Notre esprit dans un corps de chair, il souffre parce qu'il est tanné d'être limité à ça. Il est tanné du monde naturel. Notre homme charnel, il ne veut pas tolérer la moyenne qu'on voit. On n'a pas été créé pour être ici sur Terre, pour aller à l'école, pour grandir, pour se pogner une femme, une maison, un chien, une job, travailler toute notre vie, arriver à notre retraite, puis là on meurt, on ne peut pas profiter de notre argent. C'est pas ça la vie. Notre être ne peut pas se satisfaire de ça. C'est pour ça que la création tout entière soupire, elle veut voir quelque chose de nouveau. Quand Jésus est arrivé dans le portrait, les gens ont vu quelque chose de nouveau. Ça faisait 400 ans avant que Jean-Baptiste vienne que le peuple d'Israël n'avait pas entendu la voix de Dieu. Donc, quand il y a une lueur d'espoir qui est sortie, Jean-Baptiste, qui était dans le désert, il était habillé comme un weird, puis il mangeait des affaires vraiment weird. Pourtant, les gens couraient, allaient jusque dans le désert pour le rencontrer, pour entendre ce qu'il avait à dire. Puis en passant, Jean-Baptiste n'a pas fait aucun miracle. Parce qu'il n'avait pas été appelé à ça. Fait que tous ceux qui se disent, moi, je suis Jean-Baptiste, moi, de canceller ça tout de suite, Dieu t'appelle en enfer. OK? Parce que tu n'es pas Jean-Baptiste, tu es comme Jésus. Tu n'es pas appelé comme Jean-Baptiste, tu es appelé comme Jésus. Jésus faisait des miracles, tu es appelé à faire des miracles. Amen. Amen. Donc, quand les gens ont vu Jésus il y a 2000 ans, les gens entendaient Jésus parler et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Il lit les mêmes livres que les scribes et les pharisiens, mais lui, il parle avec autorité. Pourquoi? Parce que Jésus croyait ce qu'il disait, parce qu'il vivait ce qu'il lisait. Les scribes et les pharisiens connaissaient par cœur, ils lisaient, mais ils ne vivaient pas. Ils étaient remplis de pourriture dans leur cœur. C'était des hommes pécheurs. Il y avait une apparence de piété, mais il en reniait tout ce qui en fait la force. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Il n'était pas juste. Si on vit ce qu'on lit dans cette parole-là, les gens vont l'entendre dans nos paroles. Quand on va parler, il va avoir une autorité. J'ai jamais été à l'école biblique. Pourtant, les gens trouvent qu'il y a une autorité quand je parle parce que je vis la parole que je lis. J'ai rien contre ceux qui y ont été en passant, là, mais l'important, c'est que vous viviez ce que vous lisez. Puis si vous vivez ce que vous lisez, lorsque vous allez parler, vos paroles vont avoir un impact. Apprendre la Bible par cœur, ça donne rien, ça va sonner creux parce que les gens, ils sont pas tellement intéressés à ce que la Bible dit, ils sont intéressés à voir ce que la Bible dit dans vos vies. S'ils voient ce que ce livre-là peut faire dans un être humain qui a la même forme que eux, bien, ils vont vouloir ce que vous avez. S'ils voient que ça a changé votre vie, ils vont vouloir que ça change la leur. Bon, moi, ça m'excite en tout cas. Amen. C'est important qu'on ait la perspective de Dieu. Amen. Puis ça, là, ces pensées-là, la Bible nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire tout. Même dans l'Église en passant. Parce que le siècle présent, il est présent partout. Les gens qui ne sont pas spirituels dans les milieux d'Église, je ne parle pas juste ici, je parle globalement, les gens qui ne sont pas spirituels sont du siècle présent.
même s'ils sont chrétiens, dits chrétiens, ou qu'ils sont vraiment sauvés, s'ils sont charnels, ils sont du siècle présent. Tu ne te conformes pas, ce n'est pas eux ton modèle, c'est Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Amen. Soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu n'es pas renouvelé, tu ne pourras pas discerner. Pourquoi l'Église va où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'elle n'est pas renouvelée, fait qu'elle ne discerne pas. Amen. Si tu es renouvelé, tu vas discerner. Si tu discernes, tu vas vivre. Si tu sais c'est quoi la volonté de Dieu, tu vas pouvoir la faire. Si tu ne sais pas ce que Dieu s'attend de toi, tu vas battre de l'air. Tu ne le sais pas. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te le dire, c'est parce que tu ne veux pas le savoir. Tu ne cherches pas. Son peuple périt par manque de connaissance parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Dieu les rejette. Dieu ne veut pas te rejeter. Il veut que tu ailles chercher la connaissance. Il veut que tu saches sa volonté. Il veut que tu la fasses. Quand tu rentres dans ton lieu secret, ce que l'Église ne fait presque plus aujourd'hui, mais c'est encore dans la Bible, tu vas chercher la face de Dieu, tu t'approches de ton Père céleste, puis tu es transformé de gloire en gloire à son image à mesure où tu contemples sa gloire. Ça fait bien des versets, mais c'est dans la Bible quand même. Donc quand tu rentres dans ton lieu secret, puis tu passes du temps dans sa présence, bien, il va te renouveler, puis tu vas croire, tu vas commencer à croire qui il dit que tu es. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les prières, c'est plus des complaintes. La complainte, là, c'est pas une prière dans la Bible. Le ciel, c'est pas le département des plaintes des chrétiens. Là. Quand tu rentres dans ton lieu secret, pour la majorité des chrétiens, avoir une vie de prière, c'est de se plaindre de tout ce qui va mal dans leur vie. Tournez avec moi dans psaume 103 avant que les gens s'endorment. Je vais finir avec ça. Psaume 103. On n'a pas le temps de rentrer dans cette étude-là, là, mais Dieu nous donne un beau modèle dans la parole de comment prier à travers les psaumes. La majorité des psaumes qui sont présentés sous forme de cantiques ou d'hymnes, ils ont toujours le même modèle si vous les étudiez, puis la même façon de présenter nos besoins à Dieu. Psaume 103 et le verset 20. Regardez bien la clé que ça nous dit ici. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Ça, dans le fond, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand on rentre dans notre lieu secret, au lieu de se plaindre de tout ce qui va mal, on confesse la solution qui est ici, qui est la parole de Dieu. Vous savez que les anges n'obéissent pas à vos plaintes, ils obéissent à la parole. Amen. Cette parole-là les oblige à agir. Pas parce que vous êtes important, parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils obéissent au doigt et à l'œil à la parole de Dieu, puis ça, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu rentres dans ton lieu secret, tu commences à confesser la parole. Dieu, je te remercie d'avoir fait de moi ton enfant. Tu le sens pas, mais la parole te dit que si t'es de nouveau, t'es son enfant. Fait que les anges sont obligés, parce que tu confesses la parole, de se déplacer et de venir raffermir ça dans tes pensées. Pas parce que c'est extraordinaire, parce qu'ils se doivent, c'est plus fort que ça. Quand ils entendent la parole, ils doivent y obéir parce que c'est pour ça qu'ils ont été conçus. Ils sont obéissants parce que s'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient plus au ciel. Ceux qui ne l'étaient pas ne sont plus au ciel. Ceux qui restent au ciel sont obéissants et obéissent au doigt et à l'œil à la parole de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu proclame la parole de Dieu, le ciel entier se doit de réagir parce qu'il obéissent à la parole de Dieu. Dieu te dit que tu n'es pas bon. Dieu te dit que tu es bon, mais l'ennemi te dit que tu n'es pas bon. Tu es dans ton lieu secret, tu arrives pour prier Dieu. L'ennemi vient te rappeler tout ce que tu as fait dans la semaine, les erreurs que tu as faites, les erreurs que tu as faites dans le passé. Tu es sûr que tu as vraiment été libéré? Parce que cette action-là, cette semaine, ça ressemble à ce que tu faisais avant. Tu ne prends pas ton temps avec l'ennemi à t'ostiner avec lui. C'est un mentor indéchu, il n'y a pas de solution de toute façon. Tu viens confesser la solution. Père, je te remercie parce que je suis ton enfant. Les anges sont obligés de venir agir. Je te remercie parce que tu m'as libéré de ces choses-là. Tu me sauves de l'esclavage du péché. Tu as livré publiquement en spectacle toute la condamnation qui était contre moi. Tu l'as accroché à la croix, tu t'es pas gêné, tu l'as frotté dans la face de Satan, tu t'as dit « Voici, tout est accompli, tu as fait ça pour moi. J'ai plus rien à voir avec qui j'étais. Ma tête peut s'en souvenir, les gens peuvent s'en souvenir, mais moi, je ne suis plus cette personne-là. Père, je te remercie parce qu'il y a un temps de ma vie où j'aurais même pas remarqué ces choses-là, mais maintenant, parce que je sais ce que j'ai fait cette semaine, que j'aurais pas dû le faire, ça prouve que tu as changé mon cœur. Là, le ciel est en panique et il agisse en ta faveur parce qu'il agit selon la parole de Dieu. Tu parles la parole de Dieu, tu crois la parole de Dieu, puis ils viennent dans ton lieu secret, ils changent ton intelligence, ils te renouvellent, puis là, tu ressembles à Jésus. Fait que tu peux commencer à agir selon qui tu crois que tu es. Tu n'es plus une personne qui est pauvre, qui est née pour un petit pain, qui n'aura jamais la boulangerie. Tu es une personne qui est née dans un monde déchu, mais tu n'as plus rien à voir avec ça. Maintenant, tu es né de nouveau depuis je ne sais pas combien d'années. Si tu ne l'es pas, fais ça aujourd'hui.
Tu nais de nouveau, tu donnes ta vie à Jésus, tu sors des eaux du baptême, tu es une nouvelle créature. Le ciel entier est ton bord, t'es loin, t'es appelé, la terre t'appartient. Vas-y, conquête. Amen. Amen. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te prie vraiment qu'elle ait été inspirée par toi, Seigneur Dieu, puis pas teintée par mon filtre humain, par mon intelligence. Je te demande, Saint-Esprit. Père, je te prie par ton esprit vraiment de venir toucher les semences qui ont été mises, cette parole-là, la faire fructifier dans nos vies, Seigneur Dieu. Que moi, le premier, on puisse vraiment croire qui on est en toi. Qu'on puisse avoir une marche digne de l'appel que tu as mis sur nos vies. Qu'on puisse avoir une marche digne de ce que tu as enduré pour nous à la croix. Qu'on ne permette pas à aucune des souffrances puis aucun des sacrifices que tu as fait pour nous à la croix d'être perdu dans nos vies. On veut profiter pleinement de qui tu nous as appelé à être, de tout ce que tu as accompli pour nous, de tout sur quoi tu nous as établi ici pour régner, Seigneur Dieu, en ton nom, pour établir ton royaume, pour que le royaume puisse se répandre ici-bas, pour que ta puissance puisse être vue, pour que ton message puisse être entendu. On te prie, Seigneur Dieu, d'agir en nous pour qu'on puisse saisir cette réalité-là, puis que dès maintenant, on commence à faire quelque chose, quoi que ce soit, qu'on aille avec la force qu'on a, Seigneur Dieu, croyant que tu peux agir par nous, puis qu'on soit excité de voir comment tu vas l'agir. Toi, tu es le Dieu de l'impossible, nous, on fait ce qui est possible, mais on est excité de voir qu'est-ce que tu as en réserve pour nous dans le domaine de l'impossible, puis on veut s'engager à aller avec la force qu'on a pour pouvoir découvrir, pour pouvoir te pousser à intervenir. Nobody, trying to tell everybody all about.